Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je reçois François Bleuet. Nous allons parler un petit peu de Coco, la manipulation et autres. François, tu as coupé ton micro? Ouais, c'est bon, je remets, c'était Ah, juste pour être ok. sûr que la musique ne parte pas en boucle. Ok, pas de souci. Allez, vas-y, je t'en prie, tu peux. Bah, je vais te enchanter. Merci d'avoir accepté de faire ce live avec moi. Je vais te laisser te présenter. Alors, bonjour à tous, je m'appelle donc François Bleuet, je suis de formation musicien, pianiste. Et en dehors de ma carrière professionnelle, depuis très longtemps, je m'intéresse à des sujets qui à la fois me paraissaient fondamentaux, comme effectivement les questions de fin de cycle, de civilisation, de population, de spiritualité, parce qu'il y a un lien évident, et puis aussi de technologies avancées, d'énergie libre, parce que je me disais que c'était bizarre que l'homme soit si intelligent et qu'il continue à presque à pédaler dans son pédalo à moteur pour aller au boulot. Voilà. Quand des systèmes n'évoluent pas sur une centaine d'années, alors que la loi de Moore s'applique à l'informatique, c'est quand même étonnant. La loi de Moore, c'est l'inflation de la progression en miniaturisation et en capacité, qui double tous les 18 mois. Voilà. Donc, je voulais aborder ce soir avec toi, Géliko, la question du coco, un peu vide. Yes. Voilà, on va éviter évidemment, si possible, les mots-clés. Donc, n'hésite pas à me reprendre si jamais Il n'y je a pas de merdouille. souci. Il se peut que dans les explications, je me perds un peu. Et en fait, je voudrais aborder des sujets, cette vidéo, sans prétention, mais quand même avec une certitude, c'est qu'elle va aborder, elle va vous mettre à la place de ceux qui décident. Et elle va essayer de balayer tout le champ des possibles en termes de théorie, de possibilités. Et on va essayer de partir de l'idée qu'en fait, tous les gens qui sont dans cette trame narrative, en fait, ne mentent pas de leur point de vue, ou mentent peu, ou ont hiérarchisé les vérités. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un ment dans un domaine, c'est pour une vérité qui, elle, n'est pas racontable, ne peut pas être indicible, et est supérieure, et on va dire qu'il vaut mieux privilégier une vérité à une autre, même si en apparence, le véreux, le varan, le variant mentirait. Donc tous picouzes et tous protégés, il se peut que oui, mais de quoi? C'est ça la question. Et donc on va aborder C'est ça, tout le ouais. champ des possibles. Voilà. Donc ça va être un balayage de plein de théories. Et dans ces théories, il y a certaines certitudes. Alors d'abord, je voudrais attirer l'attention sur la synchronicité entre la civilisation qui commence à aborder la voiture volante, plus tous ceux qui veulent ramener ça dans des hangars. On a vu le Français là qui a développé ça, ou d'autres qui ont développé des voitures volantes, qui se font un peu rabrouer, tant qu'il n'y a pas de contrôle, ça peut être dangereux, parce qu'une voiture volante évite aussi un système de kamikaze, attentat, voilà, donc c'est très dangereux, puis elle pourrait faire tomber des tours, hein, une voiture volante, vu que les avions y arrivent, voilà, on ne sait jamais. Et puis il y a la question aussi de l'énergie dite libre, parce que sur cette question donc de l'énergie, eh bien, en ce moment, on est en train de prendre, c'est-à-dire la fermeture du robinet gazier, et puis aussi des centrales. Et moi, j'avais milité dans le réseau Sortir du nucléaire il y a une vingtaine d'années, parce que pour des raisons de pollution évidentes, notamment j'avais été concerné au niveau testiculaire personnellement suite à Tchernobyl, et puis j'avais eu deux collègues de travail sur une entreprise de 36, il y en a deux qui ont eu un cancer, thyroïde et gonade. L'autre, c'était rein et gonade. Et j'ai remplacé d'ailleurs en tant que timbalier à l'orchestre de Cannes celui qui est décédé 2 ans après avoir pris sa retraite, qui était timbalier. Donc, il jouait les timbales à l'orchestre en percussion. Et donc, je me disais que D'accord. 2 sur 36, ça fait quand même 1 sur 18. Et Ouais, bah moi, oui. j'ai eu une testicule 3 fois plus grosse que l'autre. Et bizarrement, je m'étais rué à l'époque sur l'iode. Donc, sur l'iode, à travers les fruits de mer. J'étais carrément insortable. Je mangeais tous les fruits de mer de tout le plat, quoi. C'était carrément hallucinant. Et donc, j'ai compris après cette nécessité d'absorber de l'iode. Et en fait, donc, je militais par rapport aux déchets nucléaires ou au risque d'accident. Qu'on a vu à Fukushima, un 11, tiens, un 11 mars. Et donc, rappelons que le 11 mars, c'est aussi la journée française et internationale du terrorisme. C'est bizarre que ce soit mis un 11 mars, hein, parce que la France n'a pas été touchée, mais elle a validé le truc. Donc, est-ce qu'il y aurait eu du terrorisme réel ou est-ce que c'est un message
que les politocars se passent entre eux, pour rappeler que quand des vagues font 11 mètres un 11 mars 2011, c'est peut-être qu'il y a des messages qui passent par le côté de la dualité, le 11, que ce soit deux tours en 2001 oui. ou deux, en fait, il y a des liens avec le soleil que je vais développer. Bref, donc, je m'étais intéressé à la question de la pollution sur le nucléaire. Et effectivement, j'étais très vite intéressé par les travaux de Pons et Fleischmann sur la fusion froide, dite froide, ou on va dire moins chaude que sur le soleil à 10 millions de degrés, je ne sais pas combien. Voilà. Et donc, ça nous relie aussi à la question de, si tu veux, à chaque fois que tu décolles du sol en voiture volante ou en énergie ou en... avec des possibilités, tu vois bien qu'aujourd'hui, si on arrête les centrales, c'est peut-être parce qu'il y a un risque de guerre frontale. Parce qu'une centrale, c'est une bombe que tu as chez toi, que un peu comme au Liban, là, à Beyrouth, quand ils ont bombardé un stock de phosphate et de machin et d'armes aussi, qui était juste à côté. Mmh. Tu veux, c'est idéal d'avoir le mec qui a la grosse bombe pour que tu envoies la petite dessus pour que tout pète. Donc, s'ils arrêtent des centrales, c'est peut-être parce qu'ils voudraient d'abord savoir qui se soumet à qui, et ils font les tests d'armes et ce qu'on appelle les rétex. D'abord sur un petit terrain de jeu qui a été choisi, bon, là, en l'occurrence c'est l'Ukraine, avant c'était la Syrie, pour voir qui des missiles de l'état profond, de Trump à l'époque et maintenant c'est autre chose, qui a les systèmes antimissiles et qui peut assurer une sorte de bouclier d'arche, donc une archie, une holy giga archie, peu importe, au niveau déjà de la sécurité, parce que ça voudra dire que celui qui a effectivement les petits jouets qui pissent le plus loin et le plus fort à notre stade humain à nous, je ne parle pas d'exopolitique, hein, à notre petit stade humain à nous, eh bien, va pouvoir dire, bah, donc si c'est moi qui ai l'arme la plus forte, je te la mets sur la tempe et tu acceptes ma monnaie, et donc ton pétrole, ton gaz, ton machin, tu le vends en dollars, en euros ou en roubles, avec le rouble art, qui va peut-être modifier un petit peu la donne grâce à ces armes très très rapides d'après Jean-Pierre Petit. Voilà, Jean-Pierre Petit d'ailleurs qui a parlé de la question de la course à l'hélium-3 parce qu'il a dans un bouquin qui s'appelle « Les armes du diable » en 97-98 que j'avais lu à l'époque dès sa sortie, il a parlé du fait que la course à la Lune en fait s'était peut-être arrêtée parce qu'ils avaient eu suffisamment d'hélium-3 et qu'un des buts principaux justement c'était de choper de l'hélium-3 pour fabriquer des armes à antimatière. Et que forcément, vu la puissance que ça permet, eh bien en fait, l'antimatière n'est pas stockable en grosse quantité sur Terre, sinon il faut des champs magnétiques de dingue, et donc elle ne peut être utilisée ou produite qu'un millième de seconde avant son explosion. Et donc, dans le bouquin, il montrait, je ne sais plus sur quelle planète du système solaire, qu'apparemment, soit il y avait une grosse météorite, soit il y avait un gros missile qui était venu faire un petit test, et il soupçonnait gravement les Américains d'avoir fait ce test sur une planète du système solaire, qui bizarrement avait eu un gros cratère qui était apparu... on va dire, dans un délai qui correspondait avec les capacités récentes de cette petite mafia de l'état profond. Moi, j'appelle ça plutôt l'état profond, parce qu'ils ne veulent pas trop qu'on se reproduise, donc ils sont plutôt pour le cul et le cul sans la reproduction, le cul stérile. Voilà. On va aborder aussi ces questions-là. Donc, voilà, dans cette question de l'injonction d'injection, il peut y avoir donc, comme velléité. Eh ben, déjà, la question du portefeuille numérique. Donc, pour éviter le bank run, une fois que tout le monde va s'apercevoir que le maquillage de la pute bancaire tombe et qu'elle est extrêmement moche, c'est clair. Tout le monde risque de se précipiter. Et donc, là, en cas de crise, c'est la dictature de besoin. Voilà, c'est la dictature du besoin qui va faire loi. Et donc, c'est-à-dire que bah, tout ce qui dépasse le besoin vital va être limité. Après, ce sera du crédit carbone ou de la limitation organisée, effectivement, par rapport à tout ce qui pourrait nous faire soit consommer trop, puisque le CO2 est une sorte de reflet en fait, de notre consommation et de notre activité de consommateur et non pas de consommateur. C'est presque le contraire. Ouais, c'est ça. L'absence de CO2 serait une preuve. Voilà. Donc, voilà, il y a le risque de bank run vis-à-vis de l'injection, si jamais c'est aussi un système de portefeuille Vax. Il y a la question du gène de Dieu. Donc, je t'ai mis le lien, si tu veux le mettre là sur YouTube. Je ne sais pas si on est sur Rumble, YouTube ou d'autres plateformes. Donc, la question de Bill Gates qui avait fait en 2005, de mémoire, une conférence à West Point où il avait expliqué qu'en gros, les Américains luttent contre le terrorisme, enfin les militaires, et le terrorisme, c'est lié à la fois à une zone du cerveau qui travaille de façon très active et aussi à un gène qui est en liaison avec cette forte activité. Donc, ceux qui bandent en lisant le Coran ou des textes sacrés ou des textes religieux, c'est la même zone du cerveau qui est activée chez les spirituels de haut niveau, on va dire, ou de haute pratique, et aussi sur ceux qui se font péter avec une bombe.
Donc, il en est arrivé à la déduction qu'en fait, si on veut péter les mecs qui ont des bombes lorsqu'ils pensent à Dieu et qu'ils pensent envoyer un petit message clair, compris, on va dire le terrorisme, c'est la guerre du pauvre, hein, c'est celui qui fait cherche à faire plus peur que mal d'ailleurs, quantitativement, oui. Sur le temps long. Eh bien, d'ailleurs, c'est entre guillemets, c'est la guerre la plus économe en mort par rapport à l'invasion, la suprématie du droit de l'homme, et l'invasion du dollar. On l'a vu ça en Irak. Bref, donc en fait, ce gène de Dieu, si on le désactive, on désactive la zone d'excitation cérébrale qui fait qu'on a l'impression d'être en contact avec le Créateur ou avec Dieu. Alors Dieu et le Créateur, ce n'est pas exactement pareil. Dieu, il faut savoir qu'il y en a qui ont comme Dieu, le Dieu ceci, le Dieu cela, le Dieu argent. Donc Dieu, il faut se rappeler qu'en langue des oiseaux, c'est un acronyme, c'est comme URSAF, ONU, CQ, c'est définition des idées dans un ensemble unifié. D-I-E-U, définition d'idées dans un ensemble unifié. Il y en a qui disent image, mais l'image, elle procède d'abord de l'idée. Donc, à la source, oui. Évidemment, c'est l'idée, c'est pas l'image. Voilà, donc, quelqu'un, un groupe qui définit un certain dieu et qui le met dans un bouquin, dans une charte, dans une carte, etc. Parce que charte et carte, c'est pareil en trading, par exemple. Hein. Donc, voilà, et le fait d'établir même une fondation Bill Gates, Bill et Melinda ou autre chose, tu vois, ou Bill Clinton, fondation Clinton, bref, en fait, ça définit des idées dans un ensemble unifié. Donc, c'est un dieu. La preuve, c'est qu'il paye pour son énergie, après il y en a qui agissent. Voilà. Donc, ce n'est pas pareil que le créateur. Mais voilà, disons que certains se sentent liés à ce qui est leur source d'inspiration, la voix dans la tête, des schizophrènes ou des gens qui sont clairaudients, parce que moi, c'est un peu mon cas. Et malheureusement, j'avais été, il y a 10 ans, soi-disant, diagnostiqué comme schizo, à la différence que les schizos, ils ont toujours de la consommation de stupéfiants et des épisodes de dépression avec des violences, des choses caractéristiques, c'est aussi un âge. Que quand la schizo ne s'est pas déclenchée avant 40 ans, en fait, elle n'existe pas statistiquement. Donc déjà, c'était faux. Et puis après, j'ai eu 28 expertises psychiatriques ou consultations par des experts du tribunal qui ne m'ont pas mis de médication. Voilà. Donc, il n'y a pas de schizophrénie dans cette affaire. Et surtout que j'ai les preuves maintenant, et je peux les produire, qu'en fait, des fois, la voix qu'on entend dans sa tête quand on est un petit peu, on va dire, à l'écoute de ces intuitions-là, eh bien, des fois, elle peut avoir des correspondances avec le réel. C'est-à-dire, ce n'est pas juste de l'imagination. Parce que l'imagination, sinon, les choses qu'on voit au hasard. Est-ce que justement, oui. Quand tu as une petite voix qui vient de l'intérieur, est-ce que ça peut être aussi en quelque sorte une petite manipulation de l'état profond ou pas du tout ? Ça peut, parce qu'il y a des procédés qui existent depuis 60 ans, 70 ans pour cette civilisation-là, pour faire entendre ça. Il y a même des plaintes pour les pubs mentales. Et il y a aussi, moi aussi, la nuit, j'entends des bips électroniques. Des fois, il y a 20 ans, j'ai entendu plusieurs radios en même temps pendant 2-3 minutes. C'était à devenir fou, mais j'avais des plombages. Donc, je ne sais pas s'il y avait un effet d'antenne. Mais là, régulièrement, la nuit, genre une nuit sur 10, j'entends un bip comme s'il y avait eu un SMS. Je regarde mon téléphone, il y a eu 0 SMS. Donc, effectivement, il y a des bruits, il y a des trucs. Voilà, bon. Je ne parle même pas de WhatsApp, qui est un traceur, parce qu'à minuit, même quand tu es hors 4G, WhatsApp, il refait un bip et il se met en 4G pendant une petite seconde pour te localiser, etc. Donc, ça fait un bip. Et souvent, quand tu as des vieux messages qui ne passaient que via les applications 4G, ça me réveille la nuit si jamais je laisse le téléphone allumé. Ça me fait chier parce qu'à minuit, toujours pile, quand j'avais le WhatsApp à l'époque, ça me réveillait. Donc, maintenant, j'ai coupé le truc. Tu vois. C'est un truc de fou WhatsApp, quand même quand tu réfléchis. Hein. Ah bah, ils ne veulent pas que tu passes 24 heures sans savoir où tu es, ils veulent justement te pister. On va aborder ces questions de sécurité, parce que tu vois, dans toutes ces possibilités, il y a la question du traçage et aussi du traçage utile. Si toi, on t'enlève ton gamin et que en fait, tu demandes aux flics de le retrouver, bah, les flics, si jamais ils passent 3-4 coups de fil à des gens qui ont des sociétés privées et qui sont capables, en stockant de la data, de te fournir le renseignement où ça a borné la dernière fois, que ce soit en sous-cutané Bluetooth, comme dirait maître Carlo Brosa, ou que ce soit autrement, bah, tu es content de retrouver ton gamin ou savoir où il est, tu vois ce que je veux dire. Ça dépend des applications. Voilà. Alors, je voulais aussi parler du soleil, parce que le soleil, tu vois, c'est le 11 septembre. Voilà, s'il y a les deux barres, en fait, le soleil, il fait deux pics espacés de 6 mois, et ça, tous les 11 ans. Donc, le symbole du soleil, ça a toujours été le cornetto, là, les deux. Et aussi la dualité. Pourquoi ? Parce que, tu vois, les deux tours. Hein, ça parle de dualité face au manque d'unité, mais c'est aussi que le soleil, c'est à la fois le dit E et le dit A. Ah ben, pourquoi ? Parce que déjà, la lame du tarot numéro 15, c'est la lame du dit able. Or, c'est un O, le soleil. Oui. Il fait toujours un O dans le ciel. Oui. Et la lettre O, c'est la lettre 15 dans l'alphabet. Et quand on parle d'un dieu, il dit O Dieu. Donc, à la fois, il est O, et à la fois, c'est O avec un chapeau. Tu vois, c'est une invocation. Quand tu parles de dualité. Attends, juste je finis là-dessus. Donc... Oui, oui.
Vas-y. Attends, je veux finir le truc parce qu'en fait, quand tu as Oui. un cycle diurne, c'est parce qu'en fait, le soleil, il éclaire toujours, mais la planète, elle tourne, donc la moitié du temps à peu près. Si tu veux, tu as le jour, dias, buenos dias, diurne. Donc en fait, cette division est induite par notre action vis-à-vis de la lumière quand on voit le soleil. Tu vois? Donc on peut aussi le voir D'accord. comme ça. Peut-être on a des moments d'unité dans la vie et des moments de division. Et qu'en fait, la division ne vient pas du problème de qui envoie la lumière comment. Le problème, il vient peut-être que nous, on se tourne de temps en temps face à la lumière, le porteur de lumière, Lucifer, le porteur de lumière. Et donc, en fait, on est aveuglé comme des cons. Alors que, comme si tu regardes là comment je me suis mis, j'ai mis la lumière dans la direction de mon petit papier où j'ai préparé un peu la conf, là. Et donc, si tu veux, là, je tourne le dos à la lumière, je suis dans le même axe. Donc, en fait, si tu veux y voir dans la vie, tu dois tourner le dos au soleil. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est lui qui Ouais. t'éclaire la lumière, il faut qu'elle soit réfléchie. C'est ça qui, en réfléchissant, te permet de réfléchir. Oui, tu voulais dire quoi? Excuse-moi, Je t'en prie. je t'ai coupé. Tu sais, de C'est toute ça. façon, quand dans la dualité, tu as aussi le chiffre 101 qui fait partie de la dualité, ou le signe LOL qui fait partie de Oui, la c'est pareil, c'est le dualité. LOL. Le LOL. Ouais, c'est ça, Oui, parce que c'est tu as ça. le cercle et puis tu as les deux tours qui sont au milieu. Ouais. C'est tout ce que je voulais te dire. Vas-y. Ah, bien sûr, il y a plein de systèmes, des matrices symboliques, tout ça qui nous raccrochent. Et donc, aussi, cette crise, entre guillemets, eh bien, elle a permis, entre autres, de faire passer beaucoup de numéros programmatifs. Le 33, le 6606, depuis le Micron, là, dans la pyramide. Le 74, la guématrie de Jésus, il y en a tout le temps. Tu vois, un variant, 74% plus, soi-disant. Plus transmissible que ont inventé ça. Donc, tu as toujours, tu as le 22 aussi, par chance, 22 là, écrit, tu vois, de 2. En ce moment, il y en a plein. On voit plein passer sur les réseaux sociaux. Tu as aussi le 55. Là, ils nous ont sorti aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur l'État, un truc qui était 55,5. Mais c'est la programmation du 55 Faubourg Saint-Honoré, l'Élysée. C'est le chan parce que Satan, en guématrie, ça fait ça, un mauvais bougre. C'est en fait le gardien du jardin. Tu vois, y a des religions où ils le vénèrent, où ils le respectent comme un gardien du jardin. C'est comme le videur de la boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est le paradis, là où tu es protégé de la division. Et à l'entrée, tu as le videur qui teste les gens en les tentant avec du pouvoir, du fric, de la drogue, du sexe, machin. Bref, tout ce qui, en fait, si jamais ils entrent avec des défauts, va être multiplié par 1 000 à l'intérieur. Parce qu'une fois qu'on entre dans le paradis, les pouvoirs psychiques sont augmentés, sont décuplés. Et en plus, tu risques de polluer un endroit où l'unité et l'harmonie règnent. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le paradis, évidemment, c'est un effet d'être protégé par dit de la division. Par rapport au dit Hubble, Hubble qui est capable et dit de te diviser. Et il te teste. Donc on appelle ça Ouais. aussi le tentateur, etc. Tu vois, donc en fait, le diable est utile à Dieu pour garder, et c'est peut-être même qu'un rôle avec juste un masque. J'ai fait un article là-dessus sur Stop Mensonge, ça s'appelle Bataclan, le diable porte plainte. Voilà, parce qu'il est accusé à tort. Pourquoi il est accusé? Parce que tu sais, il y avait Kiss the Devil au moment de l'attaque, etc. Il y a plein d'informations qui ont circulé sur le fait qu'il y avait la chanson des Eagles, etc. Bon, bref. Donc j'ai fait un article sur Lumière sur Gaïa qui s'appelle Le Diable porte plainte, si jamais tu le retrouves. Voilà, donc ça c'était pour parler du rapport entre le 15, le haut, le soleil qui a toujours cette forme de haut dans le ciel, et le dit Hubble. OK. Et du dit E, évidemment. Donc il y a peut-être aussi la question de l'adaptation, parce qu'en fait, si tu veux, comme ils nous mettent de la 5G partout, il y en a qui disent que le Soleil, il modifie aussi ce qui se passe sur les autres planètes du système solaire, parce qu'il y a des changements de température qui sont récents sur les autres planètes. Il y en a qui contredisent la thèse du réchauffement climatique, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent sur d'autres planètes, avec aussi des variations de température, et là, il n'y a pas d'activité théoriquement humanoïde. Eh bien, en fait, il y en a qui pensent que le Soleil, du fait qu'il a un creux dans son activité depuis, là, ça fait une quinzaine d'années maintenant, 14 ans, quoi, eh bien, on pense qu'il va éternuer. Et s'il éternue, ça peut nous faire un CME, c'est une éjection de masse coronale. Et donc, ça peut tout griller sur Terre. Donc, soit c'est régulier de façon naturelle, il y a quelqu'un qui l'empêche d'éternuer ou qui met les mains devant, tu vois, ou soit c'est naturel, soit c'est artificiel. Il y a des technologies, il y a des êtres, il y a des puissances qui ont en charge de faire en sorte qu'il n'éternue pas trop fort, ou si possible, pas dans la direction de la Terre, au point de nous faire barbecue. Et donc, si jamais il y a ces forces, ces intelligences, qui sont peut-être liées à une partie des êtres humains sur Terre, qui peut-être ont des technologies plus avancées que les États officiels,
tu vois, le privé, la théorie des anciens astronautes qui auraient décollé et qui seraient revenus plusieurs fois, donc qui auraient des capacités, ça c'est Eric von Däniken, eh bien, ça voudrait dire que peut-être il s'agit aussi de nous préparer à cette augmentation d'énergie et qu'on a retardé le fait de passer l'épreuve parce qu'on n'est pas prêt. Et une des solutions pour être prêt, au niveau physiologique, par exemple, c'est de faire plusieurs grippes. Si, par exemple, pendant 5 ans, tu fais une grippe par an, en fait, ton corps, il va faire de la pyrolyse, il va se nettoyer, il va débarrasser des métaux lourds exogènes et endogènes. Donc, exogènes, ceux que tu as respirés ou ceux que tu as mangés, tu vois. Et puis, endogènes, ceux que, en fait, tu as produits par des changements de logiciel comportemental, épigénétique. Parce qu'à chaque fois que tu veux, tu t'es dit, tiens, avant, j'étais comme ça, maintenant, je vais adopter un nouveau comportement, et que tu as des nouvelles attitudes, tu modifies ton logiciel de fonctionnement mental et ton épigénétique. Et il y a des métaux lourds qui sont relâchés. Donc, en fait, si tu veux, si la 5G, surtout la 4G, mais là, la 5G, on va dire en dessous de 2 GHz, si elle est perturbante, elle est surtout perturbante pour la question des métaux lourds. Et en fait, l'idéal, ce serait que tout le monde aille faire du sauna, des patchs détox, plantaires, des cures chlorelle plus ail des ours, jamais l'un sans l'autre d'ailleurs. Et puis en fait des cures de enlever le plombage dentaire et si jamais on accède à cette théorie, parce que moi j'ai fait une émission là-dessus, aux dents dévitalisées, les dents dévitalisées et le curetage des racines abîmées. Donc ça c'est quelque chose de très important pour rehausser la quantité d'électrons dans le sang, parce qu'en fait les gens sont toujours oxydés en oxydant. D'ailleurs le problème de l'occidental c'est dentaire évidemment. Donc en fait il peut être en deux mots sédentaire et c'est apostrophe dentaire et il est sédentaire, tu vois. Le problème de l'occidental, oxy ça veut dire mort, hein, occidental sédentaire parce qu'il est sédentaire. Donc en fait peut-être que si le soleil évolue en fréquence et en énergie, tous les gens n'ont pas le logiciel pour recevoir, accepter, tolérer, digérer cette énergie et ne pas en mourir. Tu vois. Et donc, peut-être que si on faisait du sauna, des grippes à répétition, avec de la température, la fièvre contrôlée, etc., ou des cures anti-métaux lourds, etc., peut-être qu'on préparerait mieux l'organisme à recevoir cette énergie. Et peut-être que même la 4G, et la 5G jusqu'à 2 gigas, en fait, elle va exciter les métaux lourds. Et elle va produire en fait des phénomènes où, si tu veux, en interaction avec les métaux lourds, elle va nous perturber fortement. Donc il y a des gens qui vont mourir, des gens qui vont crever parce qu'ils ont trop de métaux lourds. Ils n'ont pas nettoyé, ils n'ont pas sorti les poubelles organiques. Tu vois le truc? Donc ça, c'est ouais. Un problème. Alors est-ce qu'on doit dire c'est la faute à la 4G ou à la 5G, ou est-ce qu'on doit dire c'est la faute aux métaux lourds? Ben, les deux, en général. C'est les deux en même temps qui font le truc, si tu veux. Voilà, mais il y en a un qui est un révélateur. Parce que quand tu n'as plus de métaux lourds, la 4G, elle te traverse. Bon, ça passe, tant que tu n'es pas trop près, tu vois ce que je veux dire, ça passe. Bon, mais c'est une saloperie, parce qu'elle traverse les murs. Le problème, c'est qu'elle traverse les murs. Donc, c'est pour ça que maintenant, ils veulent passer, parce qu'en fait, il y a plein de petits râleurs comme moi et d'autres qui ont mis en évidence ou qui ont râlé sur les réseaux sociaux depuis des années pour dire, ça pose des problèmes aux organes, au cerveau, cancer du cerveau, etc. Et donc, en fait, ils sont passés à des fréquences plus élevées. Et d'ailleurs, tu vois, il va y avoir un lien avec même le côté de Dieu, parce que Dieu, en hébreu, ça se dit Yod, E, plus loin, Vav, plus loin, E. Il ne faut pas le prononcer si ce n'est pas une invocation. Donc, en Gématrie, ça fait 10, 5, 6, 5, et donc ça fait 26. Et donc, ils sont tombés, quand il y a eu les râleries pour le 60 GHz, parce que c'était la fréquence de l'oxygène et qu'il y avait plein de problèmes sur la peau, là, et bien, ils sont tombés d'accord sur l'idée de passer à 26 GHz. Donc, il va y avoir de la 5G à quelques gigas, je ne sais plus si c'est 5 gigas, voilà, autour de 4-5, et puis il va y avoir un créneau qui s'est ouvert à 26. C'est mignon, 26, tu vois. Ah bah oui. Parce qu'il y a un lien avec ce nom hébreu du 26, et le 26, il est une sorte de phénomène psychologique en trading, par exemple. On utilise un système qui s'appelle le Ishimoku, qui est basé sur des 26 périodes, et qui se retrouve avec des logiques et des cohérences statistiques. Donc on s'aperçoit que les périodes par 26 fonctionnent. Alors pourquoi 26? Bon, il y a une raison, c'est qu'on a 52 semaines dans l'année. Donc, tu as un cycle 26 qui monte et un cycle 26 qui descend. Tu vois? Et donc, tu as le 13, le 26, le 39, qui est la guématrie de Dieu. Dieu, ça fait 39 comme joie, Graal, etc. Et après, tu as le 52. Donc, en fait, c'est du 13, 13, 13. Macron, si tu vois la lettre M, c'est 13. Tu ne peux que aimer l'élu. Le 1 avec les 12 disciples, c'est le 13. C'est le Emmanuel. Emmanuel vient nous sauver. Emmanuel avec tu vois, le Christ qui marche sur l'eau, tous les symboles qu'il a mis dans la campagne. Et même, si tu veux aller plus loin, tu vois, quand il y a eu le débat avec Xavier Jugelet, le flic qui a été tué sur les Champs-Béziers, sur tu vois, la programmation. Donc, un flic qui s'appelle X, la croix, tu vois, qui est en plus homo. Xavier Jugelet, 39 ans,
qui est tué au moment du débat avec Le Pen. Et lui, il a aussi 39 ans, donc 39 pour Macron, 39 pour Xavier Jugelé, X, la croix, le champ vers l'Élysée. Donc, si tu veux, ah, il y a de la programmation. Le fait de cumuler des éléments programmatifs, ça programme les gens, le vote, etc. Et aussi la matrice au-dessus. Et si tu vois aussi Pokémon, Puck, E-M, On. Puck, c'est un code Puck, donc tu allumes ton téléphone, tu vois. Tu as, et aussi, c'est la cup. Puck, c'est l'inverse de la cup, donc c'est le Graal, la cup. Ouais. Wake up, le chemin de la coupe. Wake up, c'est le réveil, et aussi le chemin de la coupe en anglais. Et donc, On, c'est allumé, tu vois. Mais On, c'est le haut du soleil avec le N, qui est un interrupteur électrique. Donc, si tu veux, si tu mets EM, Emmanuel Macron, et que tu le mets On, vers la cup, mais évidemment, c'est mis à l'envers. Donc, Puck et Mon. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, tu as des symboles programmatriques qui sont mis. Donc, cette crise, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, certaines forces conscientes et d'autres, qui sont celles du champ de morphogénèse du créateur, sont là pour utiliser tout événement pour balancer des vérités numérologiques programmatrices. Tu vois ? Ils vont utiliser. Alors, parce que, en fait, si tu veux, quand tu vois qu'ils te sortent que 33% des infectés, ceci, cela, ont fait une rechute, enfin, la connerie, tu sais, pourquoi ils te le parlent à un moment où ça fait pile 33? Tu vois? Pourquoi pas 31,4? Parce qu'ils attendent que ça arrive, qu'ils le chopent, et au moment où ils disent c'est vrai. Mais s'il faut, deux semaines après, c'est 36, tu veux. Donc, en fait, ils utilisent le truc, tu vois. Et tout le monde fait ça. Moi, une fois, j'ai vu dans mon diocèse, 369 le code Tesla 369, 369 bénévoles professionnels du diocèse à votre service, ou je ne sais plus quoi, bénévoles, professionnels, bon bref, 369 membres du diocèse à votre service, à votre écoute, blablabla. Et une pub à distance qui les sépare, c'est le 6. Donc c'est le yin au milieu des deux, tu vois. Tout à fait. Et le 9 étant visible. Mais tu vois, donc en fait, il y a des codes. Et de toute façon, toute crise. Oui. Vas-y. On est décalé en vidéo, c'est pour ça que des fois. Ouais. Quand tu regardes Nikola Tesla, ses chiffres préférés, c'est le 369. Hein. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une logique mathématique sur le cycle. Il y a une mathématique circulaire de 1 à 9 sans passer par le 0, le 0 étant le tout, étant le raccord. Bon. Alors donc, je t'ai mis comme lien, si tu veux, la petite vidéo de Utopia qu'on va résumer. C'est pas la peine de la passer parce qu'on risque le strike. Ouais. C'est qu'en fait, je l'ai passé cette semaine. Tu sais, quand tu me l'envoyais en privé, quand tu me l'avais envoyé, je l'ai diffusé sur VK, je l'ai diffusé sur les autres réseaux. Donc, je l'avais déjà vu. Ça résume tout. Hein. Voilà, ça résume tout. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux. Donc, le Utopia 2013, là, cette petite séquence de 5 minutes d'un mec à l'aéroport qui voit une nana avec un gamin. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour la planète? Nous allons limiter la reproduction. Donc là, on entre sur la question du malthusianisme. Donc, si on pense que tous injectés, tous protégés, en fait, peut-être que les politocars, ils disent la vérité. Peut-être qu'il y a des gens au-dessus des politocars qui disent si c'est pas comme ça, et en plus que c'est en train de repartir à Sodome et Gomorre, on remet une radia comme il y a 4000 ans. Vous voyez, les gars, donc peut-être que tous contrôlés, contrôlables, injectés, reprogrammables, on peut vous travailler l'ADN à distance avec le CRISPR, on peut vous contrôler le portefeuille pour éviter les bankruns, donc ça évite les famines, les gens qui s'entretuent pour dans les supermarchés, etc., quand il y aura des problèmes, tu vois. Donc peut-être que tous protégés, tous injectés, tous protégés, mais pas, ils disent pas de quoi. Et que peut-être qu'ils essaient de nous faire comprendre que le vrai virus, en réalité, c'est l'homme. C'est le virus qui se propage et qui abîme la planète, parce qu'ils nous ont sorti, évidemment, que le confinement, à part la méditation, ça a permis aux espèces aussi de revenir un peu envahir des espaces, qu'elles avaient perdus. Pourquoi ? Parce que l'homme les avait colonisés. Donc, que dans l'équilibre, dans la gestion de l'équilibre des espèces, il y a peut-être des gens qui, en fait, sur Terre, ont des laboratoires, je pense notamment à Porto Rico, où en fait, il y a des sociétés privées américaines en lien avec de l'exopolitique et de l'humanoïde qui s'est décollé vers le haut assez rapidement, en quelques secondes. Et donc, ces gens-là, s'ils bricolent, si par hasard, ils utilisent une petite partie de la Terre comme laboratoire, ils ne veulent pas que leurs espèces ou leur travail soient réduits à néant.
Donc, c'est aussi légitime que si par hasard il fallait partager la planète avec certains à l'Antarctique ou à Porto Rico, dans quelques zones particulières, où d'ailleurs ils se sont mis au froid et gelés les couilles pour qu'on ne vienne pas les chercher trop, eh ben, on va dire peut-être qu'il faut accepter cette notion de partage. Et au lieu d'avoir les épées de Damoclès de nos dirigeants, se dire bon, on va faire du malthusianisme à notre échelle, comme ça s'est toujours fait, parce qu'aussi, ce malthusianisme, c'est-à-dire le contrôle de la population, il a toujours existé. Et ça n'est que depuis la pilule et le condom, là, le préservatif en latex, qu'en fait, on a généralisé l'idée qu'on peut se passer de faire ce malthusianisme. Parce que quand bien même, si tu veux, il y aurait la contraception, malgré tout, la question de la démographie, soit elle se vote par le peuple, effectivement, ou soit, en fait, tous les gens s'en foutent, ils font n'importe quoi. Et donc, à ce moment-là, c'est le peuple qui régisse, c'est les dirigeants qui régissent ça. Tu vois ? Et moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, dans le système de l'islam, ou même de la tradition provençale, du catholicisme, il y avait, en fait, un système politique complet. Quand on dit, il y a la religion, il y a l'État, non, mon cul sur la commode, c'est que l'islam, l'islam est un système politique, mais la religion catholique aussi a toujours été un système politique. Moi, je m'appelle Bleuèze, je suis organiste à l'église Saint-Blaise, à Valbonne, et puis Saint-Blaise a été l'évêque, mais pas l'évêque parce qu'il s'est présenté à une élection, l'évêque élevé au rang d'évêque par acclamation. C'est-à-dire, les gens, ils se réunissent, ils disent « Ouais, lui, c'est vraiment le gars qu'on veut, boum !» Et que tu le veuilles ou non, tu vas, tu deviens évêque. Donc, en fait, si tu veux, tu as des liens, tu vois, phonétiques, Bleuèze à Saint-Blaise, parce qu'il y en a que 7 des églises Saint-Blaise en France. Voilà. Donc, si tu veux, et tu n'as que 1500 organismes. Donc, pour trouver un Blaise ou un Bleuèze, c'est quand même une belle piquette, tu vois, du destin. Et j'en ai des dizaines d'autres qui me sont arrivés comme ça. Et donc, si tu veux, dans la tradition catholique et surtout provençale, que j'aime beaucoup, pas à cause des robes, là, tu sais, où il y a plein de robes de froufrou dessous, là. Mais en fait, c'est le meilleur préservatif qui soit. Parce que si la nana, tu dois lui enlever toutes les robes et tous les trucs, lui enlever tous les boutons, au bout de 10 minutes, en fait, tu as eu le temps de t'arracher, t'as débandé déjà. Toi. Voilà, donc le petit coup en douce dans les fourrés en 5 minutes, c'est pas possible, là, tu vois. Donc déjà, c'est une assurance. Et puis la nana qui met un quart d'heure tous les matins à se mettre tous les boutons de sa truc, elle met un quart d'heure à se dire, je veux ne pas faillir au niveau de la question de la fidélité ou de la continence, de l'abstinence avant le mariage, etc. Qui plus est, comme nous l'a dit, comment elle s'appelle, Marion Sigaud, eh bien, l'âge moyen sous l'ancien régime du mariage, pour des raisons financières évidemment, c'était 28 ans pour les femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles bossaient à domicile dans leur maison, et puis elles allaient recevoir une dot pour le mariage, mais en même temps elles travaillaient pour l'entreprise familiale, dont elles allaient éventuellement hériter aussi après la mort. Donc à la fois elles travaillaient gratuitement, à la fois ce gratuitement lui revenait sous forme de dot, et personne ne voulait une fille s'il n'y avait pas une dot en face. Donc, il y a aussi des alliances de patrimoine, après par caste, effectivement, comme en Inde, parfois, ou même en Europe. Mais il y a toujours eu ce lien. Donc, le fait de prendre un temps entre le moment où tu peux devenir parent biologiquement, c'est-à-dire 13-14 ans en moyenne, et le moment où tu peux devenir un parent du point de vue de la responsabilité matérielle pour ta progéniture, ben, il y a le temps de se constituer un petit patrimoine. Et ce patrimoine, si tu finis tes études à 16 ans et que tu pars apprenti ou à 21 ans, etc., eh ben, théoriquement, il n'arrive pas avant 28 ans, tu vois, en moyenne. Sous l'Ancien Régime, c'était ça. Aujourd'hui, les gens se marient aussi assez tard. Hein. Moi, je joue pour des mariages. Je peux te dire que l'âge des mariages... Alors, des fois, ils viennent au mariage avec leurs enfants. Ils ont mis la charrue avant les bœufs, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, donc si tu veux, tu as toujours eu. Alors, même dans l'islam, tu as un contrôle démographique. Je te rappelle que en Afrique, ceux qui font le plus d'enfants, c'est quand même l'Afrique tropicale, tu vois, subsaharienne, et non pas l'Afrique saharienne, même si ils ont eu à certains moments, ils ont eu du 4, 5, voire 6 enfants, tu vois. Mais ceux qui vraiment allaient au 8-10, c'était quand même l'Afrique tropicale et subsaharienne. Mais en fait, pourquoi ? Parce que l'islam est beaucoup plus implanté en Afrique du Nord. Et déjà, l'islam, si tu veux, elle a un système où elle te contraint à t'entasser. Pourquoi elle te contraint à t'entasser en civilisation ? C'est parce que dans la prière, il faut faire des ablutions à chaque prière, 5 fois par jour. Et donc, si tu fais des ablutions, il faut beaucoup d'eau disponible. Et si tu as beaucoup d'eau, tu dois être à côté des rivières. Donc, ça limite énormément les sources et les rivières. Parce que si tu n'es pas dans une zone où ça capte facilement, à l'époque où il n'y avait pas des aqueducs de 400 bornes, évidemment, tu vois, mais où il y avait une difficulté, si tu veux, le fait d'établir cette règle, c'est en soi une limitation de la population. Parce qu'une fois que tu te marches dessus, tu te dis, bon, ben, je vais peut-être faire moins d'enfants. Parce que sinon, en termes de ce que je peux léguer aux enfants, etc., ça commence à être la folie, tu vois ce que je veux dire, autour des zones où il y a de l'eau disponible. Donc déjà, ça oblige les gens à ne pas faire des milliers de kilomètres pour aller chercher de l'eau, qui est bien au niveau du Sahara, tu vois, évidemment, d'aller sur les zones où il y a de l'eau uniquement. Et de ne pas s'établir ailleurs. Voilà. Sinon, il y a le chameau qui répond un peu au problème, mais légèrement, tu vois.
Et en fait, donc, les religions, elles instituent aussi des fois des limitations. Par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, eh bien, a dit que si on voulait faire quelque chose de plus que les prières, ce serait de faire les prières à l'heure. Alors, j'ai expliqué dans une vidéo sur la bioélectronique qu'il y a 3 des 5 prières qui ont des raisons bioélectroniques, c'est-à-dire le lever héliac, le coucher héliac et le midi solaire. Parce qu'il y a une perturbation et il ne faut pas être en danger sur un échafaudage, etc. Et donc, le fait de faire les prières à l'heure, eh bien, ça fait que, si tu veux, l'ouverture solaire, entre le 6h du mat et le 18h, en été, c'est carrément 3h50 du matin et 22h40 là, le soir. Donc, en fait, ça te flingue le sommeil. Donc, les Inuits, ils peuvent pas être musulmans. Donc, ça limite l'islam dans son expansion. Et d'ailleurs, l'islam peut pas, en tant que système politique et religieux, ne peut pas s'étendre au-delà de l'Espagne ou du poids du tiers à Poitiers. Tu vois, Poitiers, même s'il y a une controverse sur cette histoire, peu importe. Mais parce que l'Espagne, si tu veux, c'est la limite pour Allah. Et la preuve, c'est que son numéro, l'indicatif, c'est la gématrie de Allah. Allah, c'est 34, si tu additionnes les valeurs. Et l'indicatif, quand tu appelles l'Espagne, c'est 34. Tu vois. Et nous, on a les francs max, c'est 33. Et le Vatican, il est en Italie, et c'est 39, l'indicatif. Donc, tu as des liens, tu as des programmations symboliques, ouais, numériques. Et en fait, une religion, est en elle-même, elle t'invite, tu vois, à ne pas avoir besoin de la loi de l'État et du monarque qui règne sur toi. Tu n'as pas besoin d'une loi qui te dit « il ne faut pas tuer ton voisin ». Tu as des circonstances, alors tu peux te référer à l'article 122.7 et 122.6 du Code pénal, la nuit, dans un lieu fermé, voilà, si jamais tu tues quelqu'un, ça vient du Deutéronome ou de je ne sais plus quel livre ancien. Mais la réalité, c'est que maintenant, tout le monde joue de ça, parce que les cambriolages ont majoritairement lieu à 14h, si tu veux. Donc, si tu veux, tu n'as pas besoin en fait, d'autre chose que ton bon sens et le fait d'être en connexion avec le supramental via cette fameuse zone de Dieu. Et ce gène de Dieu qui, théoriquement, ne devrait pas trop être désactivé par des petits bilous qui vont nous bricoler et qui vont faire qu'on ne va plus être connecté à cette sensation d'être en unité avec le divin et avec le champ de morphogénèse de l'espèce, la noosphère de Teilhard de Chardin. C'est que sinon, on va dire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On va regarder sur Internet ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et c'est là où on tombe dans la folie. Et puis après, ouais, comme en fait, on ne peut pas connaître toutes les lois parce que le code civil, le code pénal, ça commence à être épais. Eh bien, ils vont nous mettre là-dedans de quoi nous désactiver. Ah, tu veux aller tuer ton voisin parce que le barbecue, il fait du bruit et ça pue chez toi. Et ça fait 3 ans que tu lui dis. Eh bien, au moment où tu arrives, l'IA, elle sait que tu étais en excitation parce que tu as tapé 3 messages. Et, tu vois, l'IA, elle te pilote et elle te met une crise cardiaque qui fait que tu es hors service pendant une demi-heure pour te désactiver. Donc là, tu lui diras merci. Et tu lui diras merci de quoi? De t'avoir évité d'avoir commis un drame, un moment d'énervement. Donc là, merci. Mais par contre, pourquoi? Parce qu'elle t'a fait te tourner vers le système étatique qui gère l'IA. Donc, c'est Minority Report, c'est pré-crime aussi, tu vois, qui est induit par cette logique. Alors que les religieux, les spirituels, eux, ils sont contre la dissociation. Moi, je le dis clairement, hein, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est parce qu'il manque de culture historique, c'est que l'islam et le catholicisme ne sont pas faits en tant que religion, contrairement à d'autres systèmes, pour être indépendants de l'État. Je vais donner un exemple, la zakat, par exemple, la taxe sur la thésaurisation. Oui. Si tu gardes de l'argent chez toi, tu payes 2,5 en islam. Il faut que tu investisses dans des business, que tu la mettes en circulation dans l'énergie. Voilà. Et aujourd'hui, le keynésianisme, eh ben, il cherche à avoir un petit taux d'inflation à 2,5, 3. Donc, si tu veux, si tu ne le places pas, et si c'est jamais tu as une taxe sur la conservation, voilà, ça correspond. Donc, en fait, ce 2,5% de la zakat, il correspond exactement à quelque chose qu'avec tous les calculs modernes et depuis Roosevelt en 33 qui a bloqué l'or, l'étalon or, etc. Et tout ce qu'on a fait depuis le keynésianisme, eh bien, en fait, on est arrivé à cette moyenne et c'était le 3% de l'Europe, tu vois. 2,5%, 3%, voilà, ça correspond. Donc, si tu veux, c'est la marge de progression d'une civilisation d'une année sur l'autre. Et pour que, on va dire, le vieux qui a la retraite, même si ce qu'il a fait, c'est de moins bonne qualité justement que le jeune, parce qu'il y a des moyens techniques qui ont évolué, eh bien, il puisse quand même avoir de l'argent qui tourne pour financer sa retraite. Tu vois, nous, on a traduit ça comme ça. Sans parler de BlackRock qui, éventuellement, veut envoyer un peu plus tôt de l'autre côté ce qui lui coûte cher parce qu'il grève les rendements. Donc ça, c'est encore une autre affaire. Le taux de... Parce que ça rentre dans la question de l'injection et de l'injonction d'injection, ouais, dans les épreuves. C'est que si, à l'époque, on a fait la retraite pour que les mecs qui mouraient à 62 ans, eh bien, ils puissent avoir 5 ans de retraite s'ils ont bossé 42 ans, si tu veux. Bon, ben, ça se comprend. Si aujourd'hui, tu as des gens qui ont fait 35 ans de retraite et ils ont bossé 42 ans, le prorata n'est pas le même. Et si jamais les jeunes, comme toi et moi, on galère à avoir du boulot ou à vivre dignement, si tu veux, les dirigeants, les gens qui gèrent ça, ils se disent, bon, on regarde la galère. En France, par exemple, on est dans le cas le pire de l'Europe. C'est-à-dire qu'on est dans l'écart de niveau de vie le plus grand entre les retraités et les actifs. Donc, s'il y avait un pays où il y aurait une réforme des retraites à faire, de toute l'Europe, c'est la France. Du point de vue financier. Je n'ai pas dit qu'il faut la faire ou qu'il n'y a pas d'autre solution, mais s'il y en avait un
à faire. De toute façon, c'est la France. Donc, comme si tu veux, il y a toujours eu, juste avant cette crise coco, il y a eu la question de la réforme des retraites, qu'elle a été mise de côté. Tout à fait, ouais. Si on en tue assez, s'il y en a assez qui partent, qui meurent, eh bien, peut-être qu'il n'y aura pas besoin. Tu vois. Donc, est-ce que BlackRock est sauvé? Est-ce qu'il faut sauver le soldat BlackRock? Eh bien, c'est la bourse et les marchés qui vont nous le dire. Et puis, tu vois, le CPI américain, là, ouais, qui était à 8,3, alors qu'on l'attendait à 8,1, qui a plongé un peu les cours hier. Bon, voilà. Donc, si tu veux, c'est tout ça qui va s'agencer pour dire. Et puis... nos chères autorités vont faire du réglage de finesse. Ah, alors là, on en a tué 2,3 dans les EHPAD, peut-être on va monter à 4, hein, comme ça, on va rééquilibrer. Ça vous fait un taux à combien pour financer les retraites, l'intelligence artificielle de BlackRock, le Aladdin qui fonctionne avec des ordinateurs quantiques, etc. Et des choses qui ne sont même pas brevetées, évidemment. Donc, en fait, si tu veux, tout ce système du monde finance, il va... D'ailleurs, finance, c'est la foi, hein, se fier, c'est la foi. Donc, en fait, tu n'as jamais eu de dissociation entre le fait de déposer ton or dans le temple, et que le gardien du temple est aussi le gardien du trésor. Comme ça, quand il y a des mendiants, des gens qui sont dans la galère, le prêtre, il va discuter si c'est vraiment des gens qui sont dans la misère noire et qui ne peuvent pas bosser parce qu'il y a des handicaps trop lourds. Il les utilise comme RG, d'ailleurs j'en ai fait des frais moi, des RG handicapés, et en fait, que pour les renseignements, ils vont faire la manche dans tous les coins de la ville, et puis ils te renseignent, te donnent des infos, ils essaient d'échanger quelque chose avec toi, et toi, en tant que prêtre, tu sais qu'ils ne peuvent pas faire mieux que ce qu'ils font, c'est-à-dire écouter, analyser, observer, et puis faire la manche. Et puis, et comme ça, dire, tu leur permets de survivre, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et aussi, tu n'as pas, dans un système traditionnel, d'allocation de fainéantise. Un mec qui peut bosser, ben, il va bosser. Et d'où d'ailleurs la notion du droit en chinois qui s'appelle le fagot, parce que le fagot, le pays de la France, c'est-à-dire c'est le pays du droit, le fagot. Parce que le fagot, c'est aussi le bout de bois que tu mets dans le... dans la hotte derrière toi, quand tu fais du fagotage. Et historiquement, ceux qui n'avaient pas de boulot, bah, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils ramassent le bois mort. Et le bois mort, pour bien le ranger, bah, il faut prendre des tiges à peu près droites, tu vois, pour les ranger, pour que ça prenne optimiser la place. Donc le fagot, le bout de bois droit, le fait de fagoter, d'aller même dans les terres qui ne t'appartiennent pas, et bah, en fait, si tu veux, par définition, tout le bois qui est tombé, qui est mort, appartient à tout le monde. Tu vois. Et bah, moi, il y a 10 ans ou 15 ans, j'ai eu un mec, il n'y avait pas de clôture, j'étais soi-disant sur son terrain ou réellement, peu importe. J'ai ramassé du bois mort, il m'a ordonné de laisser tout ce que j'avais ramassé là et de me barrer. Et résultat, j'ai fait un tas de bois, il allait choper lui après avec sa remorque, tu vois. Donc je me suis fait entuber. Et avec ma femme, pendant 2 heures, on a ramassé du bois mort. Et bien je me suis fait entuber de ça, tu vois. Alors que soi-disant, on était chez lui, mais il n'avait pas mis de clôture. Donc si tu veux, le droit au fagotage et au droit, c'est-à-dire que la notion du droit, de la droiture et du fagot, tu vois, même en chinois, ça a été mis. D'ailleurs, même le mot chine, chien, canis major pour la constellation Sirius C, eh bien le chien, ça fait 39 en gématrie. Donc ton chien, comme dans Tintin quand il t'aboie, si tu veux, tu as une consonance symbolique. Donc, bah, tout ça pour dire qu'il y a toujours eu relation entre la foi, la finance, fier, et la fameuse solidarité du RSA, mais que c'était toujours en lien avec le renseignement, avec ce que pouvaient faire les pauvres gens qu'on est... qui on disait, bon, touche à rien, tu peux rien faire, ou tu vas te faire mal, ou tu vas faire mal. Soit te faire mal, soit faire mal, parce que tu es handicapé, voilà. Donc, en fait, c'est toujours le grand prêtre, le Melchisédek du coin, qui a fait cette gestion-là. Tu vois, c'est pas forcément l'assurance chômage. C'est clair. Et l'État, tu vois, c'était... Alors oui, ça représentait l'État pour l'époque, si tu veux, mais avec des visées spirituelles. Alors qu'aujourd'hui, l'État prétend ne pas avoir de visée rituelique, culturelle et spirituelle, mais en fait, il nous en impose certaines, qui en fait ont des directions culturelles. Il y a des cultes dans l'État. Tu peux pas insulter le Dieu, tu fais une quenelle devant une préfecture, tu perds ton boulot, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu brûles le drapeau, tu brûles un symbole, le drapeau français, ou tu écris « c'est de la merde » sur un drapeau français, ils le prennent comme un blasphème. Et pourtant, il paraît qu'on a le droit au blasphème. Tu vois. Donc, Charlie Hebdo, qui se fait se torcher le cul avec des bibles ou des Corans, ça pose pas de problème. Mais si Charlie Hebdo se torche avec le drapeau français, j'aimerais voir le niveau des subventions qui arrivent par derrière, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est juste pour voir si par hasard c'est pas une religion. Parce que moi j'ai eu des tentatives de procédure pour du blasphème contre la République. Bon bref. Donc voilà. La question aussi, c'est donc dans cette IA, si on a vu Minority Report, on peut considérer que l'IA peut être une aide, quelqu'un qui à un moment s'énerve. Si l'IA permet de voir qu'il y a une inflation de l'énervement sur Internet, les messages, le risque de passage à l'acte, une sorte d'inflation, plus la pleine lune, plus ceci, plus cela, là, le mec, il va craquer et il y a des périodes clés dans son craquement. On peut voir sur des vagues, tu vois.
Donc, à chaque pleine lune et à chaque moment où il s'excite sur les réseaux sociaux, tu vois, on le contrôle, on le localise. Son ennemi habituel qui a fait le plus grand tort, il a telle distance, est-ce qu'il s'est rapproché? On analyse, on met ça dans une intelligence artificielle. Et puis, dès qu'il s'approche un peu trop, on lui passe un petit coup de fil, on lui a un message de la gendarmerie, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, comme ça, la gendarmerie est prévenue. Il y a des possibilités de gérer ça et que c'est un côté utilitaire. Je ne dis pas le contraire. Hein. Et je dis même que statistiquement, en fait, le pré-crime, il existe au Japon. Il y a des IA qui prédisent le crime et qui ont des grands taux de réussite. Voilà. Donc, mais tout vient de la collecte de la data. Et attention au mot data, parce que si tu prends data, c'est D-A-A-T-H. Si tu prends le mot date historique, si tu veux, ça vient de la connaissance. C'est lié à la connaissance. Or, la date, c'est-à-dire quand un événement a lieu, à quelle date il a eu lieu. Parce que tu as bien vu que des fois, on relaye un truc. Et puis en fait, c'était il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans. Donc en fait, on se fait avoir émotionnellement. On croit que c'était récent. En fait, ça n'a plus aucune portée de le diffuser. Donc, la date, la connaissance et le moment où ça a eu lieu dans le cycle, c'est ça qui est important. Tu vois, et ça n'a rien à voir avec une donnée. Parce que nous, on nous dit que c'est des données. Non, moi, je n'ai rien donné, moi. Tu m'as volé les informations. Tu es venu dans mon ordinateur avec tes cookies, tes portes dérobées, tes machins. D'où la question aussi de tout ce qui est RG, mafia supraétatique, la CIA, Al-CIA, bien sûr. Parce que si tu veux, on va dire, régler le problème de la pédophilie, mais comment ils font alors, Epstein, pour piéger Bill Gates ou pour lui demander de piéger tous les pédos qui dirigent le monde avec leur petit penchant sado-crado, et puis en leur mettant de la fille qui a 13 ans mais qui en paraît 16, tu vois ce que je veux dire, sur les genoux, dans le Lolita Express, et après à dire à Bill Gates, bon, bah écoute, tu vas nous mettre des portes dérobées et directement reliées au Mossad, et comme ça, c'est le Mossad qui va gérer l'ensemble des portes dérobées, puis après qui va délivrer au compte-gouttes, selon les besoins, les services vis-à-vis des services qui lui demanderont son aide. Et je le sais parce que je vais pas entrer trop dans les détails pour pas non rentre pas trop parce que oui voilà. Bah oui, mais je sais que si tu veux il y a des binômes ministère de l'intérieur et Mossad, et ils travaillent en binôme, et il y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vont à la pêche aux informations et non pas aux données, aux volets, aux dates. Voilà, donc dans cette histoire de collecte, tu veux le pouvoir, in fine, c'est l'information soit collectée, soit générée, et qui influence, et qui programme. Donc le grand pouvoir, c'est le bois sacré, Hollywood, mais eux, ils ont mis qu'un aile, donc il n'est pas si sacré que ça. C'est le bois de la baguette magique, le bois sacré. Et parce que tu peux programmer dans les films, à travers toute la programmation. Ouais. Mais c'est aussi la collecte, parce que quand tu collectes, tu vois si tes programmations, elles ont eu un effet, etc. Donc tu vois, c'est une sorte de dialogue, programmation, analyse et rétexte. Voilà. Donc, écoute, on a abordé la question du contrôle à distance sur le plan du CRISPR ou de la désactivation via un système à crise cardiaque ou à blocage ou à interface, interférence. Mais il y a aussi la question de la psychotronique. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler du fait que certains, justement, ils se plaignent d'influence à distance ou du fait que certains seraient contrôlés à distance. Donc, moi, j'ai vu ça aussi. Voilà. Donc, moi, j'ai vu que ça directement avec des gens qui ont été envoyés chez moi, pas sans raison. Et donc là, je ne traduis pas les secrets du dossier judiciaire qui est en cours, parce que c'est de notoriété publique de la part de la personne, même si c'est une question médicale, c'est que l'être humain, je ne vais pas dire personne, je veux dire l'être humain en question, il a, un de ceux qui ont participé à détruire ma baraque et à une tentative d'homicide, il a en fait un implant et une cicatrice, un implant intracrânien cochléaire en lien avec un appareil qui se met à l'extérieur. Donc évidemment, il travaillait pour les renseignements généraux, à l'insu de son plein gré, parce qu'il ne savait pas, mais sa femme, elle, ce n'était pas à l'insu de son plein gré. En plus, elle utilisait les enfants mineurs dans des actions de renseignement et de harcèlement. Donc là, il y a un gros problème. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, ce contrôle à distance, si par hasard, avec un téléphone ou un implant intracrânien ou un implant sous-cutané, tu peux exciter les ondes θ, alpha, bêta, quelqu'un que tu entends par le téléphone qui est en train de s'énerver grâce aux portes dérobées sur le micro qui n'est jamais éteint, tu entends qu'il s'énerve, et tu tournes un bouton, tu actives son excitation et puis tu peux faire en sorte qu'il a l'habitude d'être violent, qu'il passe à l'acte. Tu vois ce que je veux dire? Même rendre insupportable l'état de stress est via les ondes. Donc il y a toujours son téléphone dans sa poche, donc le cerveau il est à un mètre de la poche, tu vois, dans le pantalon, donc ça marche. Soit par un téléphone ou un truc comme ça, c'est. Voilà. Je vois que tu mets dans le stream, la femme était un agent en service, alors. Non, pas en service. Alloc conditionné au retour via le père. Qui était dans les RG et via les réseaux. Mais bon, peu importe, ça c'est à la justice de l'établir, bien que, en fait, j'ai été prévenu par le contre-terrorisme.
Voilà. Mais bon, il y a une plainte qui traîne depuis 6 ans là-dessus, et donc elle devrait être traitée ou classée à leur risque et péril. Parce qu'en fait, ce qu'ils ne s'aperçoivent pas, c'est que ce langage des mafias intra-étatiques, il existe aussi avec les mafias supra-étatiques. Et j'en ai les preuves, évidemment. Donc, si jamais la doyenne des juges, par exemple, classait sans suite, eh bien, elle se priverait des moyens d'identification des mafias supra-étatiques qui ont fait, par exemple, l'attentat de Nice sur la Prom, ou l'attentat de Nice à l'église de Montparin. Je dis bien Montparin, Jean-Louis Jourdan, le curé de Nice, qui a été curé pendant 12 ans à Notre-Dame. D'ailleurs, je t'ai envoyé une photo où je faisais un concert dans l'église Notre-Dame. Et le jour anniversaire de ma mère. Donc là, s'ils ne comprennent pas les liens, les RG leur expliqueront. Voilà. Et comment ça fonctionne dans les combats entre les IA et les IN, les intelligences naturelles connectées au divin et les intelligences artificielles qui font beaucoup de bazar pour s'amuser ou pour des tests ou pour envoyer des messages à la con. Voilà. Donc, il y a eu 3 morts quand même, hein, ce jour-là. Le 29 octobre 2021, jour anniversaire de ma mère, dans l'église de Montparin, Jean-Louis Jourdan, où il a été pendant 1 douzaine d'années, et où j'ai fait un concert. Donc, si tu veux, les messages, des fois, sont envoyés. Il y a eu un message comme ça à François Hollande. Il y a eu un attentat sur un prêtre dans une église, en fait, où il est né juste à côté. Tu vois. Donc, quand, si tu veux, tu as un attentat dans les 4 ans sur un prêtre, qui est un prêtre qui est égorgé dans une église, tu vois, et puis que c'est exactement la ville où est né le président du moment. Bon, mon adversaire, c'est la finance, oui, mais bon, c'est un adversaire. Donc, un adversaire, c'est pas un ennemi. Un adversaire, c'est pour s'entraîner, le combattre, et puis se fortifier en le combattant. Blablabla. Bon, moi, je ne pense pas non plus qu'il faille combattre la finance. Il faut la comprendre, l'intégrer, et soi-même être son propre financier, tu vois, et diffuser les notions de finance. Tu vois. Je conçois des choses sur la finance qui n'ont rien à voir avec le côté bon ou pas bon. Tu vois, ça n'a aucun sens quand on connaît le sujet. Alors donc, il y a un lien évidemment entre l'injonction d'injection et évidemment la finance. Donc, on a abordé donc le pucisme, parce que moi j'appelle ça des ismes, tu sais, on parle de l'islamisme, le catholicisme, les ismes. Les ismes, tu sais, c'est une pointe de terre qui avance en fait dans la mer, un isme, mais c'est I-S-T-H-M-E. Donc, moi j'aime bien parler, tu vois, du Covid, enfin du covidisme, et puis du pucisme, parce que si on veut que tu aies une puce RFID ou un truc de Bluetooth de localisation, c'est un isme, c'est une pointe, c'est une exagération. Il va falloir que la mer, avec ses vagues, elle finisse par éroder un peu. Ou bien, j'appelle ça aussi le sucisme, parce qu'on a vu la période où on appelait ça les conflits d'intérêts, ou les journalistes qui se mariaient avec des politocars, genre Anne Sinclair avec Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. On appelait ça, je ne sais plus comment, là, ça portait un nom, le fait que c'est une collusion entre le pouvoir médiatique des journalopes et le pouvoir politocar. Donc moi j'appelle ça maintenant le sucisme, parce qu'à l'époque c'était faire de la lèche. Maintenant ils sucent, ils avalent quoi, et ils veulent nous inciter à être soumis à ça quoi. Bon, ça va, voilà. Et puis il y a le lien maintenant, comme tu as vu, avec l'ukrainisme. Donc si t'es pas pour la guerre en Ukraine, t'es un mauvais citoyen, puisque celui à qui tu files ton fric, même si t'es pas d'accord, parce qu'ils te mettent les mains dans les poches avec les SATD, les impôts, tu finances une guerre. Donc tu as le droit d'être objecteur de conscience pour la guerre. Éventuellement, bon, tu vas en taule, mais c'est pas grave. Mais tu n'as pas le droit d'être objecteur de financement. C'est bizarre, ça. Parce que moi, si je fais un crime ou si je paye pour commettre un crime, c'est encore plus grave si je paye quelqu'un pour commettre un crime en tant que le faire moi-même, tu vois, dans la condamnation. Alors pourquoi, si je paye des armes pour qu'il y ait un belligérant face à un autre, c'est pas aussi grave que si j'allais faire moi-même la guerre. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même énergie. Si je m'épuise au boulot, si je me tue à la tâche pour dégager un tout petit peu de fric et que l'État vient me le prendre, tout ce qui dépasse, tout ce qui traîne les bas de laine, et pour aller le mettre sur des canons César dont on dépouille nos armées, alors peut-être parce qu'on a mieux, peut-être on dépouille, peut-être on vend les vieux stocks, parce qu'il y a eu un programme qui nous dit, oui, voiture volante, oui, les lasers spatiaux, etc. C'est pour ça que je voulais te mettre un lien sur Star Wars, je vais te le mettre dans le... si un jour ça remarche, si tu tapes théoriquement Tsar Wars, donc la guerre des Tsars, sur Lumière sur Gaïa, théoriquement il devrait y avoir un article, mais en ce moment il n'est pas disponible, le site, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc en fait, il y a un article qui met quand même 8 heures à être lu et qui montre différentes choses. Entre autres que depuis l'espace ou le ciel, il y a de la découpe au laser. C'est-à-dire qu'ils arrivent à cramer des baraques sans cramer les arbres à côté. Il y a des vitres fondues, ce qui veut dire pratiquement 3000 degrés. Et des fois, il y a des morceaux de pneus qui ne le sont pas. Donc là, est-ce que c'est des ondes? Tu vois, le pneu à 400 degrés en radiance, il doit cramer, tu vois, il doit s'auto-enflammer pratiquement. Et la vitre de la voiture est fondue. Donc, il y a un problème. Donc, soit c'est des armes à ondes,
soit c'est des armes laser, soit des armes avec des technologies qui ont des spécificités comme ça, tu vois, de dingue. Ouais. Ce qui prouve qu'on est face à des oligarchies. Voilà. Qui utilisent. Il y a aussi la découpe de la banquise en ligne droite. Des fois, il y a des zones sur plusieurs kilomètres où les avions, ils montrent que la banquise, elle est en ligne droite. Or, si tu veux, la glace, elle ne se casse pas en parfaite ligne droite, cette découpe. Ouais, bah oui. Là, ce sont des démonstrations de lasers qui sont faites sur des avions ou de l'espace. Et donc, ça veut dire que ces lasers, ils existent depuis longtemps. Moi, j'avais un frère qui travaillait sur les leurres pour les lasers spatiaux en 97, mais il est mort du cancer des intestins. Mais donc, en fait, en 97, si tu veux, il travaillait déjà sur le fait de leurrer les lasers qui sont dans l'espace. Alors, soit parce qu'ils pensaient qu'ils allaient y être, soit parce qu'ils y étaient déjà. Mais en tout cas, tu ne travailles pas un truc si tu ne sais pas toi-même que tu peux faire du laser, que toi-même, tu en as mis certains dans l'espace sur certains satellites, et que toi-même, tu peux prendre les lasers des concurrents. Voilà. Donc, tout était cloisonné, mais j'ai discuté récemment avec de l'ingénieur de haut niveau voilà, de Thales Alenia Space, qui avant était aérospatial, ça a changé, SNIAS, etc., Matra, ça a changé 10 fois de nom, mais c'est toujours la même usine à Cannes-la-Bocca. Et donc, en fait, bah, y a ceux qui sont en bas, voilà, ils ont les cloisons, mais ceux qui sont un petit peu au-dessus, ils comprennent qu'il y a du monde là-haut, et quand on leur dit « ouais, il y a du monde là-haut, ouais, ouais, il y a du monde là-haut ». On n'est pas tout seul. Regarde, tu as un commentaire là en privé, si tu peux regarder. Alors, je ne vois pas autre chose que le StreamYard. Le dernier. On peut dire au fondre de l'alliage à température supérieure à celle d'un feu. On contribue à la pulvérisation des tours du 1109. Là, c'est pas forcément que. Alors, il peut y avoir eu de l'usage de l'onde pour tout ce qui est lié à la poussière du béton, parce qu'effectivement, les poussières sont de telle taille que ça n'est pas explicable. Par contre, ouais. Pour les structures métaux, il semble qu'il y ait eu quand même un mois de travaux pour poser de la termite. Donc, et puis que les coupes sont en biais. Donc, les coupes en biais sur le métal, si tu veux, sont idéales pour que ça glisse. Donc, quand tu poses un truc de dynamite en biais ou de termite en biais, tu vois, et qu'elles sont toutes en biais, coupées en biais, et elles sont rouges encore 3 jours après, donc c'est que là, il y a une chaleur localisée. Donc, les ondes pour le béton en synchronisation, c'est possible, à moins que ce soit la déflagration de toute cette termite qui est projetée à certains endroits du béton et des particules extrêmement petites. Mais il y a certainement eu des explosifs parce qu'ils les ont entendus, hein, les pompiers. Ils ont entendu boum, boum, boum. On les entend aussi dans les trains. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ils disent qu'apparemment, sur VK, il y aurait des photos avec des avions avec ce type de laser. Oui, bien sûr. Il y a des brevets là-dessus. Ouais. Mais la question, c'est pas ça, c'est est-ce que tu arrives à découper sans cramer l'arbre ou sans le couper en deux au moment où tu passes avec ton laser ? Faire comme une imprimante, si tu veux, une imprimante jet d'encre qui te fait un truc super précis. Donc c'est là où c'est époustouflant. Et quand on fait une démonstration comme ça, on te prouve qu'on est à des siècles ou des décennies d'avance au niveau technologique sur ta petite mafia à toi, ton clair. Petit état de surface. Donc, il peut y avoir l'état de surface américain, puis l'état profond. Ils se sont illustrés en Syrie quand il y a eu les 2 salves de missiles tiré et qu'il n'y a pas eu la même quantité de missiles qui étaient arrêtés. Trump, il a fait tirer des missiles, une première vague. Alors, je ne sais pas si ils ont fait justement 26 ou 13, il y a un truc comme ça. Et puis après, il y a une deuxième salve, et la deuxième salve, elle est bien passée. Mais c'est arrivé sur un aéroport, je ne sais plus lequel, en Syrie. Mais en fait, il n'y avait pas les charges, ça n'a pas explosé, ça n'a pas fait des gros dégâts, ça n'a pas fait trop de morts, pratiquement rien. Quoi. Juste, ça fait un trou dans le sol, juste pour voir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas. Et il y avait les contre-mesures avec les S-400 ou les S-500. Fourni par Poutine pour qu'il puisse mesurer, qu'il puisse le plus loin, qu'il traverse le dôme de fer ou pas de fer, ou de S-400 ou S-500. Donc, en fait, si tu veux, ça servait autant à Trump, Russie, de faire un test, mais alors que Trump n'était pas forcément en désaccord avec Poutine à l'époque, même s'il faisait semblant de l'être, mais ça servait surtout à comparer la puissance de l'État sur lequel Trump a la main, ou le président du moment a la main, et les capacités militaires qui protègent aussi peut-être les États-Unis ou les zones où les oligarchies font du business et qui, elles peuvent passer ou traverser beaucoup plus facilement les technologies de défense, tu vois. Tout à fait. Ils se sont téléphonés d'avance. Oui, voilà. Attention, j'attaque. Mettez-vous là. Voilà, manipulation de l'opinion publique. Dis-moi, tu veux qu'on fasse rentrer Pam ? Ah ben oui, c'était Pam, je crois que c'était toi le Pam, d'accord. Donc bien sûr, s'il y a quelqu'un qui commente et qui a des bonnes connaissances là-dessus. Alors, je n'ai pas encore abordé tous les sujets, peut-être une des solutions, parce qu'en fait, je regarde ma feuille, on a abordé, on va dire, 60%, mais c'est peut-être déjà très bien, et je garderai
les autres aspects, à moins qu'ils sortent dans le flot de la conversation, puisque tu vois, dans les autres aspects, il y a le fait que si jamais on est nous-mêmes gérants de la question de du malthusianisme, tu vois, familial, etc., eh bien, tu as la correspondance des travaux de Jean Covici qu'il faut prendre en compte, à savoir que comme il a délivré un peu de connaissances avec les deux courbes énergie dite fossile et population qui ont 10 ans de retard, les politocars ont décidé que ben, moins il y a d'énergie qui est mise à disposition des civilisations, moins il y a de population, et plus le problème écologique est résolu. Et donc, si tu veux, tu as cette notion de 10 ans de décalage qui est intégrée par les politocars, et tu as aussi le fait que maintenant, il y a le pack CO2. Le pack CO2, c'est le concept, même s'il est faux, on s'en fout, ça protège les espèces, les insectes, ça. Moins il y a d'activité humaine qui se mesure via le CO2, et moins tu pollues, moins tu détruis, moins tu existes en nombre, voilà. Donc, si jamais on ne pouvait pas être trop nombreux sur Terre, d'après les estimations, c'est vrai qu'avec 3 ordinateurs et une voiture électrique, on ne peut pas être 85 milliards. Par contre, si on est tous amazoniens permaculture, on peut être 85 milliards. Donc, ça dépend comment on vit, ou comment on s'installe, ou si on s'étage, ou voilà, l'agencement des villes. Et puis, donc, voilà, une peut-être des préoccupations tout à fait légitimes de toute cette racaille gouvernante, c'est qu'ils disent, peu importe le peuple, si nos injections, ça en tue 1%, 2%, elles sont pas là pour ça, elles sont là pour stériliser, et c'est déjà une prouesse d'avoir injecté un truc qui a tué si peu de monde avec l'effet nocebo de la piqûre, etc. etc. Donc, quand bien même, ça en tuerait 3, 5, 10, et puis beaucoup les personnes âgées, etc., ils s'en foutent, parce que le plus important, si tu veux, c'est la théorie des rennes dont je t'avais parlé juste avant l'émission, c'est qu'en fait, sur une île, quand tu as de plus en plus de rennes, une île limitée, ou à la base, c'est un couple, à la fin, ils bouffent toute l'herbe et d'un seul coup, il y a tout le troupeau qui est très nombreux qui meurt, après, tu as plein d'ossements de rennes. Donc, ils considèrent que l'homme qui ne fait pas son propre malthusianisme avec sa religion islamique, catholique ou quoi, c'est un petit con qui ne gère pas les problèmes et les épées de Damoclès que les monarques, via les oligarchies et peut-être de l'exopolitique, ont au-dessus de la tête. Et donc, ça veut dire, bon, tu ne veux pas t'en occuper, bon, on s'en occupe, dis, fais confiance et on te pique, et puis tu mourras guéri ou tu mourras comme on a décidé au moment où la retraite ne sera pas trop en faillite. Voilà. Bonjour, Pam. Pam, vas-y, Pam. On ne t'entend pas, Pam. Ton micro. Allume ton micro. T'es là? Toujours pas de son, Pam. On ne t'entend pas. Moi, je t'entends pas, Pam. Ah, il est bien ton micro, mais on t'entend pas. Non, mais tu sais, c'est l'ouverture sur StreamYard. Non, mais c'est sur StreamYard. Tu sais, t'es ouvert de partout, alors t'as une connectique qui bug, alors. Bah sinon, passe en oreillette. Tu sais, tu te mets un casque oreillette où tu as à la fois le casque et le micro dans la petite prise de l'ordi, ça va tout de suite l'activer, hein, tu es tranquille. Parce que si jamais tu as besoin d'une alim fantôme, je ne sais pas si ton micro, il a une alim fantôme, tu vois. Ça a l'air d'être un micro de qualité, peut-être qu'il lui faut un 48 volts. Donc, passe avec une oreillette. Hein. Voilà, ça va être plus simple. C'est ça, c'était ça le problème. Tu n'as pas le 48 volts en option sur ton ordi. Il faut que tu achètes l'appli. Attends, du fait d'avoir dit ça, tu vas recevoir une pub dans 10 secondes via l'intelligence, parce que moi, ça m'est arrivé. Discute d'un fromage qui s'appelle genre le Saint-Brieuc, une connerie, tu vois, un nom à la con. Et 10 minutes après, la personne avec qui j'étais, enfin l'être humain avec qui j'étais, elle reçoit une pub, visitez le village de Saint-Brieuc ou je ne sais pas quoi, nos promotions, les hôtels, les machins. J'ai prononcé un mot, le téléphone. Et en plus, quand je parle de choses sensibles et que je lui dis de mettre le téléphone dans le tiroir, elle me prend pour un parano. Et après, elle a vu avec la pub que c'est vrai. Tu vois. C'est bon, ça, c'est excellent. Là, c'est ça le problème de l'IA, c'est l'intrusion des données qu'on n'a pas données, quoi. Pam, tu vas défiler ton fil ou quoi? Bah oui, parce que quand ça se fait des nœuds, ça peut être long, tu sais. Et tu sais que ça, c'est exactement ce qui se passe avec les religions. Bon, il y a des gens qui ont fait un travail sur les religions de dénouer tous les fils pour avoir on va dire la meilleure distance, tu vois, à la connexion. Mais ils nous ont fait des pataquès dans les traditions. C'est vraiment compliqué. Toujours pas bon. Allô, c'est toujours pas bon. Bah sinon, t'allumes et tu... Et ce que tu fais, tu débranches et tu reviens. Bon, alors, je vais continuer, alors, pendant qu'il nous... Vas-y, continue.
Alors, donc, je voulais parler, voilà, du fait que, ayant discuté avec des gens qui font les COP 26, 27, etc., eh bien, en fait, ils reconnaissent à l'apéro que le CO2, c'est le package. C'est-à-dire que réchauffement ou pas réchauffement, c'est pas le sujet. Le carbone ou pas carbone. La pression des gaz sur Vénus, on considère que c'est plus la pression et la quantité de gaz qui fait la température et non pas la nature du gaz lui-même, même s'il y en a qui ont des effets de serre supérieurs à d'autres, évidemment, qui soient indestructibles ou non, comme le méthane. Voilà. Mais en fait, c'est un package. Donc, CO2 égale mesure de l'activité humaine, égale mesure de la pollution, tous azimuts et toutes moyennes faites, et aussi disparition des abeilles. Puisque, comme je te l'ai dit lorsqu'on s'est eu au téléphone, si tu veux, les abeilles, elles disparaissent, et les insectes, les pollinisateurs, à 48% à cause des néonicotinoïdes, et à 11% à cause des bagnoles qui les explosent avec les pare-brises. Donc, d'accord, quand bien même oui. On virait les 48%, il faut avoir toujours des chiffres en tête pour se baser, parce que moi, je fais de la déductologie, et en fait, ces déductologies sont basées sur des chiffres qui sont solides, tu vois. Après, mes déductions sont peut-être fausses, mais en tout cas, les chiffres ou les hypothèses que j'émets, les déductions que je fais, sont basées sur des chiffres ou des conférences, des méta-analyses comme Jankovici, qui en fait sont indécrottables, tu vois. À un moment X, c'est comme ça que ça se passe. Donc, 48% les néonicotinoïdes, donc évidemment, il faut absolument les virer et les interdire, oui. Même si c'est en 2 ou 3 ans, on leur laisse écouler les stocks, mais après c'est terminé, tu vois, il faut laisser se reproduire. Et puis, c'est 11% avec les bagnoles, tu vois, moi je suis pour le 80 km/h, plutôt que le 90. Il se peut que dans les voitures qui sont bien aérodynamiques, ça évite que de 11%, tu passerais peut-être qu'à 8% de bestioles tuées, tu vois. Donc mais ça laisse un peu le renouvellement se faire, tu vois. Tu as vu que depuis peu, là, il n'y a pas si longtemps que ça, ils sont repassés à 90, hein. Oui, parce que c'était le cheval de Troie de quelqu'un qui en avait souffert familialement. C'était Philippe, là, le ministre Édouard Philippe, qui avait milité parce qu'il avait été touché dans son entourage, je ne sais plus quoi, là, par les accidents de la route, etc. Donc oui, quand tu es touché, moi j'étais touché par un cancer de l'œsophage de mon frère défunt en 97. Donc forcément, j'ai fait du travail de recherche sur le cancer, la naturopathie et tout ça, tu vois. Quand tu es touché par un truc, tu es sensibilisé. Donc tu as envie de dire, bon, les mecs, roulez moins vite, admirez le paysage, les routes de la France sont belles en moyenne. Et donc, voilà, 90 passé à 80, vous allez moins abîmer. L'accidentologie aussi, tu sais, plutôt que payer des assurances, si plus personne paye d'assurance et que tout le monde met 10 de moins partout, en termes de mortalité, de blessures et des frais que ça entraîne, eh bien, en fait, on pourrait se passer d'assurance complètement. Parce que si tu baisses de 40% l'accidentologie, peut-être, avec la vitesse, tu vois. Oui. Avec 10 km/h de moins à tout le monde, donc ça pourrait être carrément financièrement très très intelligent de faire ce genre de choses. Ouais, donc tu vois, dans toute cette théorie du pétrole, des énergies fossiles, bon, il y a la question de l'énergie diesel libre. Et pour le pétrole, ça s'appelle le pétrole abiotique, c'est-à-dire le pétrole qui serait soi-disant avec des réserves qui, quand tu pompes, la pression elle baisse pas. Donc soit les nappes sont gigantesques, ou soit en fait le pétrole est sans cesse renouvelé et ne vient pas d'énergie typiquement fossile, tu vois. Qui plus est, il y a la question des fossiles qu'on ne trouve pas au-dessous de 20 000 pieds, c'est-à-dire 5 km de profondeur. Et si tu trouves du pétrole au-delà de 5 km, ce n'est pas le fossile qui l'a amené là. Ou du ruissellement, ce qu'on appelle l'huile de roche. Ce n'est pas du ruissellement et le travail tectonique qui l'a amené là. Donc, si tu trouves du pétrole à plus de 5 km, eh ben, 20 000 pieds, quoi, eh ben, en fait, ça ne peut pas être du pétrole biotique. Donc, il est abiotique, donc il n'est pas fossile. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une bonne partie du pétrole qui n'est pas forcément lié... à la question, peut-être il y a du mix ou il y a du déchet, c'est pour ça que le soufré, on ne peut pas l'exploiter ou il est chiant. Voilà, mais en fait, il y a déjà de l'énergie libre par l'énergie solaire et le travail que la planète en fait, qui fait que par des phénomènes tectoniques divers, elle produit un jus et ce jus, nous, on va le chercher. Alors, des fois, il arrive jusqu'à la surface facilement et puis des fois, il faut aller en profondeur. Mais c'est déjà une énergie libre et solaire à la base, tu vois. Ouais. Bon, le vent, c'est libre et solaire, mais les éoliennes, on sait ce que ça tue les oiseaux. Puis ça fait des infrasons, même si on ne les entend pas, en dessous de 30 Hz, tu ne les entends pas, mais t'es dérangé jusqu'à des kilomètres et des kilomètres. C'est clair, ça s'entend, voilà. Moi, quand j'étais à Mont-de-Lieu, j'entendais les explosions de Canjuers. Et pourtant, Canjuers, à vol d'oiseau, il est déjà à 20-25 km, tu vois. C'est la plus grande base militaire, enfin, centre d'exercice militaire d'Europe. Donc, en fait, j'entendais l'explosion, je me disais, c'est quoi ces explosions tout le temps, tu vois. Alors, des fois, ça venait de Marseille, j'entendais que ça creusait à Marseille. Puis, des fois, donc après, on a appris qu'il y a des gens qui creusent des tunnels à coups de bombe, à coups de machin, du côté de Marseille et un peu avant, là, dans le Var. Et puis, il y a Canjuers, tu vois, où ils ont fait aussi beaucoup de tests avec l'uranium appauvri. Parce que ça, j'avais fait chier un maire écolo de Montsartou avec ça lors d'une conférence. Il s'appelait André Askeri.
c'est que j'avais dit, bon, nous, on est dans le sens du vent, là, dans le village où je suis, à Escragnole, et donc, en 7 km, un peu de vent, et on se prend les poussières d'uranium appauvri, parce que n'allez pas m'expliquer qu'ils tirent avec certains missiles d'une certaine taille, d'un certain poids, à l'uranium appauvri en OPEX, et qu'ici, ils s'entraînent avec du plomb, parce qu'ils ne peuvent pas remplacer exactement le truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, pour des raisons d'économie et aussi de dégager, même si maintenant on a le MOX qui est retraité, qui est réutilisé comme on sait depuis Fukushima, parce que Fukushima a révélé l'utilisation du MOX dans les centrales, hein, faut le dire. Hein. Voilà, avant, c'était un secret de polychinelle, gaz de brone, le laser, on va vous retraiter tout ça, mais maintenant il le rebrûle. Tu vois. On avait des pistes chez les écolos pour retraiter, mais elles n'étaient soi-disant pas industrialisées ou tenues secrètes, mais en fait, parce qu'il y avait recombustion par derrière. Voilà. Et donc, je disais donc que, si tu veux, en termes de nucléaire, d'énergie abondante, fission, tu vois, fission égale déchets, déchets égale uranium pourri, uranium appauvri égale transpercer les chars à 2,9 km de distance, plutôt que 2 km, donc on gagne 900 mètres de distance, tu veux. Donc forcément, quand tu gagnes 900 mètres, tu as un avantage stratégique, et forcément tu t'entraînes chez toi, comme ce que tu fais en OPEX, et donc les poussières, c'est pour les gueux qui habitent dans le sens du vent, quoi, dont j'étais. Voilà, donc là aussi, il y a le problème fission-fusion. Parce que l'énergie libre du soleil, c'est de la fusion, tu vois. Ouais, or, bah notre oui. énergie, nous, la nucléaire, eh bien, elle n'est pas en fusion. Donc, d'après Jean-Pierre Petit, les travaux de Ponce et Fleischmann devraient permettre qu'on passe à la fusion. Il y a eu des films là-dessus, des films avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Val Kilmer, là. Un film avec Val Kilmer sur la fusion qui est donnée au peuple, etc. Alors pourquoi ? C'est toujours une sorte de marronnier qui revient à ces histoires d'énergie, de fusion, puis aussi le mythe de Sisyphe avec les fusées qui décollent vers la Lune, et puis après, pendant 70 ans, on n'y arrive plus, et puis après, on recommence, et puis après, on n'y arrivera plus. Et puis après... Parce qu'en fait, il y a le poisson rouge qui perd la mémoire, surtout si on le fluorise et qu'on le chemtrailise. Et donc, en lui faisant perdre la mémoire, tu lui fais le mythe de Sisyphe, tu vois, il monte, il descend, à chaque fois que tu lui donnes un objectif, il finance, il cotise, et puis il y a juste un petit nombre qui peut se dégager. Donc la théorie des anciens astronautes cycliques, elle peut exister aussi. Genre, tu es le 27e sur la liste depuis 30 000 ans d'une civilisation où tu as un petit groupe de 300 000 ou 3 millions de personnes qui réussissent à décoller. Les autres, tu leur balances du fluor, du chemtrail, de la saloperie, dans la bouffe, dans l'eau. Ça. Tu les maintiens, si tu es à la mentalité de certains qui nous dirigent, bah, tu les maintiens dans la pauvreté, l'esclavage, d'une façon ou d'une autre. Il y a dénonciation à l'ancienne, les fiches, la Stasi, etc. Et puis comme ça, dès qu'ils ont 3 sous, c'est pour toi, c'est pour la poche à l'État. Et la poche à l'État, c'est pour aller sur les expéditions, la technologie, parce que l'État, il est très inquiet, parce qu'il s'aperçoit qu'il y a de la manipulation par des gens qui sont, ou des êtres qui sont plus hauts dans l'évolution biologique ou technologique, ou les deux en même temps, et qui le contrôlent, qui le pilotent à distance, qui lui font même des petits coucou. Regarde la date que j'ai choisie pour tel événement. Ah, t'as pas vu comment j'ai piloté l'autre à distance, qu'il fallait faire ça. Pourquoi c'est en telle date, tel jour, tel lieu? Regarde le Brexit. Le Brexit, c'est fantastique. J'avais fait un truc prémonitoire là-dessus. Parce que, si tu veux, la promenade des Anglais, 3 semaines après le Brexit, et qu'est-ce que c'est que la sortie du trader? S'il y a des cycles économiques par groupe sur l'euro ou sur les liens commerciaux de l'euro, parce que même s'ils étaient restés à la livre, ils étaient en lien commercial, et bien ils sortent, tu as une vague, ça monte, et ils sortent juste avant le pétage de gueule de l'euro. Tu vois, ils sortent quand l'euro, il est à 1,40 ou à 1,30, et puis maintenant, l'euro, il est à 1 $, tu vois. Et donc, la livre, elle est montée. Ah, ils sont pas cons, c'est des traders les Anglais, tu vois. Bah oui, ils sont pas cons. C'est voilà, et donc, si tu veux, il y a un message qui a été envoyé par une petite mafia supra-étatique sur la promenade des Anglais. C'est pas très nice, pas très agréable d'ailleurs. En plus, c'est le jour de la fête nationale, le 14 juillet. Tu vois. Et puis, il y a aussi d'autres messages liés à moi, que si jamais les RG ils peuvent envoyer à Madame Lache, la doyenne des juges, à Grasse, pour l'audition, c'est que moi, on m'a retiré mes enfants le jour de mon anniversaire, c'est dans le dossier judiciaire. Et il y a eu 6 usages de date anniversaire, dont 2 qui sont à mon initiative. C'est-à-dire qu'on peut aussi, on peut programmer ça de façon étonnante. Et donc, là, on a retiré, je m'étais plaint de ça, parce que mon avocat m'avait prévenu, etc. Bon, bref. Et donc, c'était volontaire, c'était programmé, c'était indécrottable. Alors, j'ai payé un avocat pour plaider contre. Donc, c'était déjà décidé avant l'audience. Tu vois. Et 4 ans plus tard, c'est à l'État qu'on retire 86 de ses enfants le jour de son anniversaire. Tu vois le lien du karma? Ce que l'État fait au plus petit d'entre les serviteurs, en tant qu'organiste de l'Église, serviteur du Christ, eh bien, il se le reprend, fois 1000. Donc, l'humour maçonnique, mal maçonné, de retirer les enfants le jour d'anniversaire, de faire des procédures sur le jour d'anniversaire, de faire des trucs comme ça, ou cramer ma baraque le jour d'anniversaire de mon père, par exemple, des saloperies comme ça, qui sont dans le dossier judiciaire, eh bien, forcément, l'État se reprend ça à fois 1000, parce que l'État, c'est le fort, et il a agi contre le faible, avec du fils de putisme.
dans sa T'es là, méthodologie. Tu vois. Pam? Vas-y, On t'entend, ça parle. y est? Toujours pas. Oh putain! Toujours pas. Ah, Tu as une je sais pas. extinction de voix. Le sifflet, il est coupé, ton sifflet. Ben, tu sais quoi? Mets des choses dans les commentaires et puis on va lire. Oui, On va bah lire oui, et puis c'est on pas va grave, dialoguer reste via les là. commentaires, c'est mieux, quoi. Voilà, donc Bon, là aussi, il a je vais pas de parler du chance. karma. Ouais, il a pas de chance, on t'a coupé ton sifflet, Pam. Ouais, bah là, tu vois, je viens sur la question du karma. Oui. Parce que j'ai fait une petite allusion à un karma logique, hein, ou probable ou possible, à la fois avec la question des Anglais vis-à-vis du vote du Brexit 3 semaines après, sur le message, à la fois avec les petites saloperies que des fois certaines mafias judiciaires font sur des justiciables ou des prévenus, pas toujours prévenus, ou très prévenus au point qu'ils s'y attendent et qu'ils le savent d'avance, les prévenus. Mais tu vois, dans le karma, il y a aussi une question de santé. Parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque, il n'y a jamais eu de dissociation entre le prêtre, prophète, le roi, le médecin, l'architecte. Un homme qui dirigeait une société, qui était le Melchisédek local, le grand prêtre, il était tout à la fois. Où il avait au moins des connaissances dans tout ça, suffisantes. Peut-être avec des architectes spécialistes, des astrologues spécialistes, des économistes spécialistes, mais lui-même, il avait quand même toutes ses cartouches en tête pour pouvoir donner un point de vue, guider la société et expliquer aussi au peuple, de façon simplifiée, vu au vulgus, vulgariser ces domaines-là. Pourquoi on vous prend votre fric à un moment? Ben parce qu'il faut payer des remèdes, des machins, voilà. Ou qu'il faut faire pousser de l'Artemisia, Zia, Annua, ou je sais pas quoi. Ah, bah si, on t'entend, ça y est, là ça Cool. passe. Bonsoir à tous. Ah. Alors, c'était peut-être Salut, Pam. le compresseur qui était mal réglé. T'as peut-être un compresseur qui ne déclenche qu'avec un seuil assez haut. Donc, il faut que tu parles très fort, peut-être. Est-ce que là, j'ai le bon volume? Ouais, Ouais, c'est ça va, bon, ça là. passe. Hein, je n'exagère pas par rapport à vous et tout va bien? Non, Ou je c'est peux bon, me lever? nickel, Chrome. Ok. Bon, mais j'y touche plus. Salut à toi, Pam. Bonne soirée à vous tous, à Gilco, à François et au public. Yes, vas-y, je t'en prie. Alors, bien, alors je te coupe, François, excuse-moi sur ton élan. Non, pas Écoute, du tout, tu ne me coupes j'ai pas. entendu tout ce que j'ai Je entendu suis jusqu'à très présent. heureux. Attends, Pam, tu ne me coupes pas. J'ai préparé, si tu veux, une feuille avec des trucs et je peux m'arrêter pour parler d'un sujet dans un quart d'heure ou dans 2 heures ou dans une semaine. Il n'y a pas de souci, tu ne me coupes pas. Déjà, tous ces sujets-là me plaisent beaucoup et je suis généralement complètement d'accord avec toi. J'aurais eu de temps en temps deux, trois petits encarts à placer, mais oui, bravo, super, on continue. Allez-y. D'accord, parce que là, Vas-y. l'idée, si tu veux, c'est de parler aux gens qui, contrairement à toi, qui fais peut-être beaucoup de recherches aussi comme moi, en fait, auraient besoin, toi, d'éléments clés, tu vois, d'éléments de chiffres. C'est pour ça que j'ai donné quelques Ouais. chiffres sur les insectes, les pollinisateurs, etc., pour pas avoir des abeilles robots dans 10 ans et devoir les payer avec ses impôts. Alors là, j'ai une petite vidéo où on a un moustique qui fait 6 mm Oui, je l'ai et vu. C'est un il est robot. appelé, il a un numéro sur le corps. Enfin, 36. oui, c'est ça. Soit c'est un numéro, soit c'est vraiment sa déco à lui qu'on interprète maintenant comme 36. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'il nous montre la 37 ou la 43 après. Mais c'est flippant, quoi. C'est pas mal flippant, parce que surtout en ce moment, tout le monde trouve plein de moustiques partout. Et les moustiques, les pays, les climats froids, ça ne les gêne pas. Hein. Si vous allez en Sibérie, vous comprenez très rapidement, ou au Canada aussi, il y a les mêmes. C'est donc, et puis alors aussi petit. Enfin, franchement, moi, quelque part, je pense même que cette taille-là, c'est encore très grand. Hein. Je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus petit aujourd'hui, le DARPA. Ils sont vraiment beaucoup plus en avance que ce qu'on imagine. C'est Ben clair. justement, c'est là où moi je suis arrivé à une conclusion qui, on va dire, qu'il faudrait argumenter, mais c'est qu'en fait, qu'il n'y a jamais eu de progrès technologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune planète où on pourrait dire il y a pas le blocage de l'énergie libre, alors que nous, on l'a. Non, non. Il y a toujours eu du transfert de technologique d'oligarchie à oligarchie sur le plan des questions matérielles et de conscience exogène de ce qui est, on va dire, au-delà de l'humain. Voilà, du méta-humain, tel que Jean-Michel Raoult tente de l'évoquer ou en montre quelques facettes. Parce que, si tu veux, l'enjeu, c'est toujours de dire avant, c'est nous qui gérions ça, maintenant, c'est à vous.
Tu vois, donc, des périodes où on n'est pas capable, où on n'a pas envie. Donc, on délègue sa souveraineté de gestion de certaines choses. Et puis, il y a d'autres, pré-crimes, les renseignements, le traçage du puçage, retrouver les enfants. Et donc, si tu veux, ils font des calculs, ils font des moyennes. Et tu vois, sur la disparition, par exemple, d'enfants, ils font le calcul qu'effectivement, quand les gens se libèrent en termes artistiques, en termes d'innovation, ils peuvent inventer la bombe, le nucléaire, Einstein, ouais. avec des conséquences qui sont à la fois gigantesques, en positif et en négatif, en destruction. Et donc, quand il y a des mecs qui se libèrent comme ça de toutes les entraves à leur créativité, ils libèrent aussi, si jamais ils n'ont pas appris à les dominer complètement, des pulsions sexuelles, des pulsions de pouvoir, de domination, ils laissent cours. Et un des systèmes, on va dire, facile au niveau rituelique, c'est de se considérer comme libéré. Libéré, délivré, donc sur la commode, tu vois. C'est que la réalité, c'est qu'en fait, la libération doit se faire par étapes, par strates, avec vérification et contrôle progressif. Tu vois, tu relâches un peu le collier, tu le retiens toi-même. Tu vois, oui. Parce que tu t'es mis toi-même le collier. Tu vois, le collier religieux, législatif, une charte. Oui, c'est etc. cela que j'ai évité. Voilà. Mais... Et donc, le problème, c'est qu'une fois que tu dépasses un certain niveau, que ce soit scientifique, médical, etc., ou voilà, la DARPA, tu peux faire des choses absolument incroyables sur le plan matériel ou sur le plan spirituel. C'est-à-dire, oui. Tu penses une chose, et elle se produit. Et il y a une influence de ta pensée à distance alors que tu n'as pas fait les actes matériels qui théoriquement nécessitent, sont nécessaires. Oui, le magnétisme à distance marche mieux que sur place. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de choses qui dépassent largement soigner, magnétiser. Oui. Je parle de choses qui peuvent induire des choses sur lesquelles on n'est pas censé avoir le contrôle. Voilà. Je suis d'accord que la technologie n'a pas d'âge. En fait, en 45, l'humain d'aujourd'hui pense qu'on a découvert la bombe, mais il oublie qu'il y a Arata et Mohenjo-Daro, où il y a encore des zones qui sont radioactives quelque part. Donc, vitrifiées, des eaux vitrifiées, ce qui veut dire plus de 3000 degrés, donc c'est pas la lave d'un volcan. Oui. Des maisons, ce qui reste hein, dans l'archéologie, là, qu'on fouille, et on a le coin de la maison, il est vitrifié, oui, absolument. Et aussi le plateau de Gizeh a sacrément morflé. Brian Forster le prouve, enfin le montre couramment. Il dit, vous voyez bien que de ce côté-là, la pierre a été, elle n'est pas comme de l'autre côté déjà. Et puis ça fait une croûte au-dessus, quoi. Ça fait vraiment comme un gâteau qui a fait la croûte, quoi, au four. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Je pense que la technologie n'a pas d'âge. Attends, là, ça pourrait être une éjection de masse coronale. C'est qui aurait grillé la Terre. Il peut y avoir aussi. C'est vrai, mais c'est un peu trop précis sur le plateau de Gizeh, pas vraiment alentour, quoi. Parce qu'une quand le soleil crache, ce qui arrive régulièrement, cycliquement, hein, tous les 12 000 ans, a priori, il nous fait une micronova. Ce à quoi, ce dont on profite, les entités parallèles, là, pour en général intervenir de nouveau, revenir sur Terre et après nous dire on va vous aider, mais en fait, malgré leur aide, vu l'état de la planète aujourd'hui, on peut se demander vraiment s'ils méritaient l'émotion qu'on leur a fait. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire, parce que ça m'interpelle. Est-ce que ce n'est pas la raison justement qu'ils sont en train de stocker plein de nourriture dans les bunkers et tout ça? Est-ce que les élites, ils ne savent pas quelque chose par rapport à ça? En 2012, il y a eu le film. Voilà. Ça a été retardé de 7 ans. Parce qu'on va dire que les Mayas se sont trompés de 7 ans. Donc, c'était 2019. Le 1-9. En fait, on ne sait pas tellement quand est-ce qu'ils ont commencé à compter les années. Hein. Oui, non, mais je plaisante. Je plaisante, mais pas tellement. C'est-à-dire qu'il y a, un code 2012-2019 qui est inclus dans les matrices géoquantiques. Et Jean-Michel Raoult l'a montré. Mais... je voulais parler un peu du karma au niveau de la santé. C'est-à-dire que, si tu veux, j'avais dit tout à l'heure que mais si par hasard, à l'énergie que le soleil va nous amener, et on veut se préparer à la recevoir biologiquement et peut-être aussi spirituellement, et qu'il faut se décrasser. Et en fait, le fait de mettre un petit truc qui tue pratiquement personne, même moins qu'un coronavirus habituel, d'un couillonnat habituel, circus, en fait, ça nous oblige à se rendre compte que ce sont les obèses qui meurent le plus, donc ceux qui n'ont pas eu de l'hygiénisme, qui n'ont pas fait de sport, qui ont fait du cul sur chaise, ça nous oblige à révéler tout un tas d'infos. T'as des études qui sont sorties récemment sur le fait que le cul sur chaise, c'est 20% de vie en moins, en durée,
Donc, si tu as un boulot où tu bouges et un boulot où tu n'es plus sur chaise, tu peux aller demander une prime de risque à ton employeur. Il y a eu des études aussi qui sont sorties sur le fait que le soleil, alors oui, il ne faut pas rester au soleil dans les heures chaudes, etc., ça te crame. Et vu que ce n'est pas les UV ni A ni B, etc., ça veut dire que c'est les X et les gamma. Et donc, il faut attendre l'épaisseur de la couche atmosphérique pour que ça fasse de la filtration. Donc, il ne faut pas aller au soleil en été, c'est-à-dire 2 mois et avant et après le 21 juin, l'été solstice. Il ne faut pas y aller entre 10h et 16h30. Mais le problème, c'est que la vitamine D sous nos latitudes, qui est indispensable, tu ne la fais qu'avec un angle entre 40 et 60. Donc, il faut absolument y aller entre 15h30 à 16h, si tu veux, et 18h. Parce qu'à partir de 18h, tu crois qu'il y a au soleil, mais ta vitamine D, tu ne la fais pas. Il faut y aller à poil quasiment intégralement, au minimum un quart d'heure. François, il y a aussi les UVC qui sont très dangereux, en fait, beaucoup plus que les autres, d'une part. Et d'autre part, la magnétosphère terrestre, en ce moment, est en train de faiblir, alors que le Soleil est en train de renouveler un cycle d'émission. En fait, en ce moment, dans les avions, ils remarquent qu'il y a beaucoup de rayons cosmiques qui frappent, même les passagers des avions, quoi. Et si ce qu'ils ont remarqué maintenant existait déjà il y a 20 ans, ils l'auraient déjà remarqué il y a 20 ans. C'est actuellement que la protection terrestre ayant baissé, cette influence-là est d'autant plus forte. Il ne faut pas parler de protection, il faut penser comme l'ovule et le spermatozoïde. Le spermatozoïde qui est élu, eh bien l'ovule le choisit et elle crée une zone de fragilité. Mais des fois, ce n'est pas suffisant pour le percer. Et donc, tu en as 6 qui se mettent autour en étoile de David. Et tu en as 6 autres, ce qui fait 12, les 12 disciples, autour de 1. Ils se mettent en hexagone, en double hexagone, et ça fait pression. Donc en fait, dans un système biologique, tu as le féminin qui choisit ce qui vient le percer, le rayon, le dard. Tu vois, et donc avec le soleil et le cosmique, qui te dit que la planète n'est pas en train de s'ouvrir pour être fécondée par ce rayonnement? Parce que le rayonnement cosmique, qu'on le veuille ou non, il est vital. Parce que tu sais très bien que le rayonnement cosmique... En général, tous les 12 000 ans, il y a 99,% d'extinction majeure sur la face planétaire qui était en face du Soleil. Oui, à peu près 12 000 ans. Il y a des cycles de solaires de 12 000 ans. D'où la dernière fois, c'était quand Atlantis est tombée. Et elle est tombée en même temps, d'autres entités ont profité pour arriver, renouveler une couche de... Je te prends le chou. Je vais t'apprendre la vie. C'est que le cosmique, si tu veux, il ne faut pas en prendre trop, il ne faut pas en prendre trop peu. Tu vois ? Et c'est ça le problème des civilisations qui vont se terrer, qui vont sous la terre. C'est le problème avec des bunkers ou la CIA qui est à 3 km avec Five Eyes en Australie, là. Pine Apple, là, je ne sais pas quoi, là, la pomme de pin, ou je ne sais pas quoi, Pine, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, la base, la Pingay, voilà. Voilà. Et parce qu'en fait, le cosmique, dès qu'il a traversé de l'épaisseur, que ce soit du platine, du plomb ou de l'or, enfin, d'une densité, donc plomb 12, or 19 ou platine 21, en fait, il est arrêté. Et donc, dès que tu as fait 300 mètres de terre ou de craie, si tu es dans un bunker comme les Allemands, et ben, en fait, tu ne reçois plus de cosmique et tu es à mettre à la poubelle en 3 semaines. Et les lapins, eux, ils meurent en 15 jours. Et l'humain, il meurt en 3 mois où il déprime. Les spéléologues, ils dépriment quand ils sont au fond. Donc, en cas de cosmique, il faut en tout cas effectivement. Par contre, je pense qu'après, on se retrouve avec le même problème un petit peu que les astronautes qui ont besoin d'une stimulation terrestre comme la fréquence de Schumann. J'ai pas fini un truc parce que j'aimerais bien que tu rebondisses. Justement, théoriquement, tu vas rebondir naturellement. C'est que j'allais dire que le cosmique, il faut qu'il soit filtré, mais que comme on a une entrée de grotte à Marseille qui est à 67 mètres sous le niveau de l'eau, alors que la grotte, elle remonte et elle est à moins 63 mètres, à peu près, avec les peintures rupestres, là. Eh bien, ça veut dire qu'il y avait 67 mètres d'eau à minima, voire plus, qui était là-haut. Et qui dit là-haut, dit filtration du cosmique, du solaire et du pétage, qui est un des 5 facteurs de vieillissement de l'ADN. Et qui dit qu'il y a de l'eau là-haut, dit nuage. Et qui dit rayonnement cosmique, comme tu le sais peut-être ou pas, qui dit rayonnement cosmique sur de l'humidité en vapeur, dit formation de nuages. Parce que pour que des nuages se forment à partir d'humidité, pourquoi des fois il peut pleuvoir sans arrêt? Parce que les gouttes se condensent sous l'effet du rayonnement cosmique. Alors s'il n'y a pas de rayonnement cosmique du tout, les gouttes restent en vapeur et tu es comme dans un sauna et ça ne tombe pas. Oui. Il y a souvent multiples causes à un phénomène. Sur la pluie, il y a surtout la condensation des nuages par l'interaction avec le rayonnement cosmique. Il faut le savoir. C'est un facteur principal. C'est pour ça aussi qu'on a pu considérer comme possible que pendant 40 jours et 40 nuits, il pleuve. Tu
Je sais plus combien de semaines, là, dans l'histoire de Noé. Plus la quantité d'eau qu'il y a 800 km sous terre dans cette eau primaire très très bonne en fait, une eau yin, pas yang, yin, qui ne participe pas au cycle extérieur aquatique habituel là, de pluie, d'évaporation et repluie, évaporation, mais qui vient de l'intérieur de la terre quasiment, qui est créée par justement un effet qui à moitié ésotérique au niveau du noyau terrestre quelque part, de la même manière que le pétrole se crée. On n'a pas tout bien compris, j'ai bien l'impression, de ce qui se passe avec les pressions terrestres et avec ces influences cosmiques et avec plein d'autres choses. Donc on nous a baladé sur plein de sujets. On dit actuellement qu'on est à deux doigts d'une crise aquatique, alors qu'en fait sous terre, là où ça commence à être plus ou moins pollué du fait du fracking, par exemple, il y a des réserves d'eau géniales, on va dire divines, maternelles, nourricières, une eau qui n'est pas forcément H2O, mais peut-être H8O5, par exemple. C'est-à-dire d'autres clusters d'arrangements de molécules d'H2O qui font que ça propose d'autres mémoires portables par ces molécules-là, enfin, par ces clusters. Ouais, mais enfin, donc rien n'indique qu'on soit en capacité à la boire ou à en faire de l'eau in fine. Bon, parce que là, mais le pétrole abiotique, on le pompe. Alors, l'eau. Par exemple, au Venezuela ou en Nouvelle-Zélande, là, les endroits où achètent la reine, Bill Gates, ils achètent toutes les terres avec ces sources-là. C'est ces sources des Yauna ou des Hauna, les Indiens du Venezuela. On ne sait même plus quel âge ils ont, ils ne savent plus quel âge ils ont, 100 ans, 120 ans. En fait, ils vivent très longtemps, alors que franchement, hein, c'est donc ça, l'Amazon. Ça n'a rien à voir, ça c'est des eaux pures. Ça c'est les eaux des Hunza, les eaux des peuples primitifs, les eaux non polluées. Mais ça, il y a des études en bioélectronique de Vincent. Ah, mais elle n'est pas que non polluée, elle est aussi énergétiquement favorable, oui, on va dire. C'est pareil, parce que la pollution matérielle est liée à une pollution de type énergétique information. Tu as toujours le triumvirat. Information, énergie, support matériel. Tu le vois avec ton ordinateur. Tu as une pensée d'un logiciel, tu vois, tu as une énergie qui le met en mouvement électrique, et après, tu as le disque que tu rentres, ou l'hostie. La nôtre d'eau, là-dedans, il y a des polluants, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a plein de saloperies. Actuellement, il y a du graphène, il traite au fluor. Ouais. Enfin, bon, celle-là, elle a plus que de l'information comme l'eau informée, hein, qu'on dit. Elle a aussi des toxines portées parmi elles. Tandis que en bioélectronique, si tu veux, on regarde le cycle complet. Et on sait que dans les mémoires des informations, certes, il y a le fait d'être mélangé avec la matière, mais il y a le fait d'avoir le cycle avec justement le rayonnement solaire et cosmique dans l'évaporation et l'agitation par les vagues et après la filtration par les roches. C'est une fois que ça revient en condensation et que ça nous vient filtrer par les roches avec toute l'argile qu'il y a là-dedans, si tu veux, théoriquement, c'est le cycle complet qui amène la filtration. Tu vois ce que je veux dire? Et la filtration, tant matérielle qu'informationnelle. Donc, le problème, ce serait de boire de l'eau de pluie directe qui ne soit pas passée par le stade de la filtration dans le sol, par exemple. Tu vois. Aujourd'hui, il ne faut plus boire de l'eau de pluie. Hein? Aujourd'hui, il ne faut plus boire de l'eau de pluie sans la filtrer, voire la distiller. Ah ben, c'est même pas que ça. C'est qu'au pire, il faudrait lui remettre un pH correct. Parce c'est qu'elle clair. Est forcément alors, acide. Tu sais, moi, oui, en plus, et j'étais branché sur Dan Winter avec ce système pour booster l'eau, si on peut dire, avec des aimants, des électro-aimants. C'est un système que j'essaye, qui marche bien sur les plantes, mais que certaines personnes critiquent parce que justement, ils disent « oui, mais ton aimant… » il nuit aux vraies mémoires aussi qu'il y avait. Enfin bon, tu vois, c'est un truc en force qu'on lui met. Évidemment. Mais je l'ai vécu ça. Parce que si tu veux, j'avais acheté un bracelet avec deux aimants qu'on mettait sur le poignet. Et comme je joue du marimba, le marimba c'est une sorte de xylophone géant, et je joue ça 8 heures par jour, ou des fois même 12-14, et bien en fait, quand j'avais ces deux aimants-là, je m'apercevais que j'arrivais pas bien à mémoriser. Alors je l'ai enlevé. Et la mémoire revenait. Et je me suis dit, c'est un peu comme une piste magnétique, le sang, tu sais, qui passe. C'est comme les bandes magnétiques à l'époque, c'est que ce qui lit est en même temps ce qui enregistre. C'est la même tête. Et le problème, c'est que si tu as un champ naturel à 0,5 gauss et que tu mets du 10 000 gauss à ton poignet, crois bien que tu fais du n'importe quoi.
Tu as une énergie de dingue, donc tu dis n'importe quoi, tu vois. Donc, en fait, si jamais la mémoire se stocke via un disque dur, l'os, à partir d'une RAM, Rama, Krishna, une RAM, c'est-à-dire une mémoire, tu sais, circulante et tout, dans le sang, tu vois. Pas une ramette de papier, mais presque, tu vois, quelque chose qui va permettre d'imprimer le truc, tu vois. Eh ben, en fait, il ne faut pas lui soumettre des champs qui ne sont pas liés sur le duo entre force en Gauss du champ magnétique et distance. Parce que tu sais que le champ magnétique est exponentiel. Le mu métal qui bloque les câbles, en fait, ça ne sert à rien hein, dans la domotique à la con. Parce que le champ magnétique, si tu n'as pas mis le fil en spirale, il ne dépasse pas 3 cm ou 2 cm. Moi, avec les testeurs de champ, tu n'as que l'électrique après 3 cm. Tu as zéro magnétique. Donc, les mecs qui te vendent du mu-métal pour te blinder tes câbles et machin, ça, alors que moi, quand je m'étais fait du blindage de câbles, je mettais juste à côté du fil électrique un câble en fil de fer galva, je mettais de l'alu, je scotchais le tout et je mettais l'alu sur une vraie terre électrique et il y a zéro, tu vois, le champ magnétique, tu le fabriques que si tu mets ton fil en spirale, en solénoïde. Et là, tu lui donnes une direction et une puissance. Si tes fils électriques de domotique, tu les blindes avec de l'alu, un câble et la liaison à la terre pour la pollution de l'environnement, ça remplace du mu-métal et ça vaut rien. Et ça, je l'avais fait. Ça, d'accord. Tu sais, sous les lits à baldaquin, dont le baldaquin est fait avec du mu-métal, ton téléphone ne capte plus. C'est ces ondes-là qui essayent de bloquer. Ça sert à rien. Non, mais... Oui, c'est très cher. C'est très cher, ça ne sert strictement à rien à l'échelle d'une vie d'avoir du mu-métal ou d'avoir ces systèmes. Moi, j'avais acheté aussi l'antenne. À l'époque où il y avait l'antenne, il y avait l'antenne qui se mettait dessus, qui bloquait l'onde. Je ne sais pas si tu te rappelles ces systèmes, les premiers GSM où tu avais l'antenne qui dépassait. Ils vendaient des trucs qui faisaient que tu avais un rond, mais tu avais la moitié qui bloquait vers ton cerveau l'onde et l'autre qui partait. Alors déjà, la forme d'onde a été bousillée parce que en fait, les spécialistes des ondes, ils savent qu'en dessous de 15 mètres, ta forme d'onde, que ce soit en acoustique ou soit en électronique, elle est pourrie. Et puis, de toute façon, ça gênait, y compris quand tu le tournais bien vers la bonne antenne que tu trouvais bien, ça gênait la réception. Donc, en fait, tu le virais, tu parlais, tu mettais là un mètre. Ça limite la réception, en plus, oui. Il faudrait juste être protégé. C'est, bon, quand on porte le téléphone dans une coque, il faut qu'il y ait une protection entre la coque et toi. De l'autre côté, Non, c'est pas ça le problème. Non, le problème, c'est qu'il faut faire gaffe aux doses et au temps et aux distances d'exposition. En plus. C'est genre, tu parles, tu éloignes le téléphone à un mètre, tu reviens, tu sais, tu mets le haut-parleur, tu rééloignes à un mètre. Déjà, tu, si tu fais ça tout le temps, ou tu mets le fil et tu le tiens à un mètre du cerveau, tu vois. Et après, sinon, ne jamais téléphoner quand tu le charges, parce que là, la pollution, EM, elle est monstrueuse. Encore pire. Ouais. Comment quel système tu dirais, tu préconiserais pour justement dépolluer et nettoyer l'eau? Attends, là, on n'est pas du tout sur le sujet, bien que je comprenne que ce soit des applications pratiques, mais là, l'idée, c'était de rester sur le coup Yona Circus et de rester sur comprendre les enjeux, les mensonges qui n'en sont pas, parce que c'est des strates de vérité empilées auxquelles il se réfère, tu vois. Et je préférais qu'on reste sur le sujet, si tu veux bien, comme ça, le thème, parce que j'en ai, mais j'ai fait déjà des vidéos et puis on complétera, je te renverrai vers des vidéos, voilà. Parce que c'est bien le coup Yona Circus Si tu veux, il y a des chiffres que les gens n'ont pas en tête. Parce que si on disait, par exemple, les oligarchies bienveillantes, qui sont peut-être minoritaires, veulent que les oligarchies, tous azimuts, y compris les malveillantes ou les sados, pédos, porno, soient contraintes de les servir pour servir un agenda qui permette de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire l'homme et la planète, en gros, hein, l'homme et la nature, tu vois. Et à ce moment-là, ils veulent aussi ménager les capacités des abus par le pouvoir de l'argent, donc les trafics humains, les trafics d'enfants. Est-ce que, par exemple, vous avez une idée de combien d'êtres humains disparaissent en Russie chaque année? Non. Est-ce que vous connaissez la population de la Russie, par exemple? Vous avez une idée de la population? C'est pour ça qu'il faut avoir des... En fait, pour se positionner mentalement, intellectuellement, il faut avoir des idées de population mondiale et par pays aussi. Sinon, ton avis ne vaut rien parce que tu n'as pas les prorata en pourcentage. La Russie, j'aurais dit 290 millions, 350 aux États-Unis. Non, on est autour de 190. La Russie, de mémoire, je crois qu'on est autour de 190. 190. Voilà. Et dans les chiffres que j'ai entendus, des disparitions qui ne sont pas retrouvées, on est à 80 000 êtres humains par an. Et pas que des enfants, des adultes. Russie. Aux États-Unis, énormément aussi. En Europe, pas mal. Oui. Beaucoup partout. Sur les terrains de guerre, de conflit. Oui, mais il y a une spécificité à la Russie, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas des caméras partout.
Donc, c'est idéal si tu veux enlever du bétail. Ah ouais. Du bétail pour expérience dans des petits jouets qui sont en antigravitation. Donc, le problème, c'est que si nos oligarchies, elles disent, moi, je suis propriétaire du cheptel humain. D'ailleurs, il me nourrit. Dès qu'il fait 3 sous, c'est dans ma poche que ça vient. Et grâce à ça, je me paye le luxe, les bateaux, les artistes, les sculptures. Mmh. Les machins. Je vis dans du pourpre et de l'or. Mais pour protéger mon bétail qui m'appartient à moi, République, ou à moi, Monarque, monarchie, oligarchie, c'est l'arc. L'arc, c'est la protection puisque c'est l'arme. Une arc, oui. Un arc, c'est un arc. Et donc, je protège mon bétail. Donc, vous, les petits manipulateurs à distance, Arc, c'est aussi archon. Hein, hiérarchie, c'est l'arc, les archons qui nous ont donné cet esprit de hiérarchie, de pyramide. Oui, mais qui n'est pas infondé complètement. Mais donc, dans leur mentalité, ils négocient avec les oligarchies et les oligarchies, c'est-à-dire les garces, et puis les bonnes oligarchies qui ont des visions où ils ne sont pas. Ils sont pas. Eux, il y en a qui pensent tant que tu arrives au résultat, peu importe la méthode. Et d'ailleurs, je préférais qu'elle soit douce, pourvu qu'elle soit douce, etc. Donc, si tu veux, tu as les oligarchies qui s'en foutent complètement si tu fais ça à la bombe, à la guerre, ou avec un virus, ou avec autre chose. Non, il l'a dit, quoi qu'en soit le prix, quoi qu'il en coûte. Voilà, il y en a qui sont. Oui, c'est ça, ouais. Qui se foutent de la méthodologie. Parce qu'ils dissocient le but de la façon d'y aller. Et d'autres qui disent le chemin, c'est aussi la finalité. Passer du bon temps sur un bon chemin bien fait, ouais. Où il y a le consentement, éclairer les populations qui sont... Ah bah oui, là, on est entre les matérialistes et les non-matérialistes. Voilà, donc en fait, tu as cette question du rapt du bétail humain par des forces, des êtres, des civilisations, des propriétaires de technologies avancées, où on voit sans arrêt dans des vidéos qu'il y a des gens qui se font emmener là-haut et qui sont emmenés. Et puis après, des fois, ils reviennent, ils sont bricolés, ça redescend. Peut-être c'est de la génétique, du réglage, machin. Peut-être qu'il y a des smart contracts qui sont signés hein, avant la naissance avec tout ça. Parce qu'on voit qu'il y a des lignées. Oui, tout à fait. Ouais. Attends, ces contrats-là, moi, je pense qu'on se fait blaser. C'est possible qu'on les signe, mais on se fait blouser par des entités qui shapeshift, se font passer pour d'autres et nous font signer et nous renvoient sur Terre. C'est à la suite du tunnel. Tu n'as pas compris de quelle signature je parle. Je n'ai pas parlé que tu as un papier où tu signes en bas. J'ai dit que Mais c'est un accord verbal. Mais oui, je le fais. C'est pas la signature pour le champ de morphogénèse, pour le créateur. La signature, par exemple. Est-ce que, par exemple, si je te mets un contrat, je te dis, tiens, demain, tu vas avoir un accident, vas-y, signe. Tu vas me dire, mais t'es fou. Jamais je vais faire ça. Donc, tu ne vas pas signer, d'accord? Mais non, mais justement. Attends, je finis. Mais si, par exemple, en raccrochant cette vidéo, tu commets un acte qui en lui-même est préjudiciable à autrui, d'une certaine façon, tu signes un contrat karmique pour que ça te réarrive le même ou le même type d'acte à toi. Donc, c'est ça, la signature du contrat, c'est dans le karmique, c'est dans la loi de cause et effet, oui, ouais. Tu vois. C'est pas de celui-là dont et je parle. Dans la loi du contrôle, voilà, je parle de celui qui va t'empêcher par le contrôle, l'IA, les implants, les machins, de faire des choses qui irait trop loin, qui ne te permettent pas de revenir sur un chemin. Tu comprends? On ne met au-dessus de toi quelqu'un qui va te piloter, te mettre de l'IA, de l'implant et du contrôle qu'en mesure de ta médiocrité. Oui, je te le dis clairement, en termes de décision et de choix d'âme, parce que l'âme, L'apostrophe, âme, c'est une lame, c'est quand tu tranches, tu dis ça oui, ça non, ça je ne fais pas, ça oui, ça je respecte le consentement ou pas de l'autre, ça je prends du pouvoir sur l'autre ou je ne cherche pas à prendre du pouvoir sur l'autre. Donc quand tu exerces ta lame, et que tu fais des choix qui sont particuliers, qui déplaisent à la création, au créateur, aux lois karmiques, au respect du consentement, etc. Et en fait, tu signes des smart contracts en blockchain qui sont lancés. Et après, tu es sous contrôle et de plus en plus, tu peux aller jusqu'à te retrouver dans une tranchée parce qu'un mec t'a dit « je te possède ». Ah bon ? Ah merde, c'est vrai, ah merde, c'est écrit. Ah oui, c'est écrit sur l'acte de naissance. Ah oui, je te possède, donc tu vas dans la tranchée. Te faire gazer, tu es sur le mec d'en face parce que le mec d'en face, c'est un possédé comme toi. Il appartient à un État. Et l'État se l'est approprié et personne n'a voulu nier cette appropriation. Et donc, tu te retrouves à tirer sur le mec qui doit tirer sur toi. Tu vois? Et donc, ça, tu signes un smart contract. Quand les gendarmes viennent te chercher en 1914 et que tu ne les butes pas sur le palier de la porte, tu ne leur dis pas non, non, moi, je ne suis pas de votre truc là. Si tu ne butes pas des gendarmes qui viennent te chercher en 1914, tu signes un smart contract. Ou si tu n'en suis pas, s'ils n'ont pas à te courir après ou à te fusiller, ouais, bah, ou c'est à... ça. Tu signes un smart contract. Donc, à un moment, tu es obligé de dire le monarque, le roi, le gouverneur républicain du moment, tu n'as pas le droit de prendre possession de moi. Moi, je veux bien aller à la guerre, tu m'expliques pourquoi, et je signe ou je ne signe pas. J'y vais ou j'y vais pas, je décide.
Et si je suis patriote, je suis hôte de la patrie. Donc, je reste dans les limites de la cité, tu vois. Je ne vais pas en OPEX, par exemple. Sinon, je suis un soldat à solde. Dans les mots, tu as les vérités. Et tu les entends, tu vois. Oui. Il y a tout ça. Ça tient debout. Quand le mec te dit, je comprends ce que je te dis, ça veut dire, oui, est-ce que tu es d'accord avec ce que je te dis? Quand le flic, il te dit, est-ce que vous comprenez que vous avez fait une amende? C'est comme understanding, c'est-à-dire que tu te places dessous le statut qu'on vient de te poser. Mais aujourd'hui, avec l'éveil qu'il y a, avec la souveraineté, avec plein de choses, là, tu sais, le droit de naissance maritime, la récupération, la remise en cause de tous ces trucs qu'on nous a forcés à faire alors qu'on nous a menti et qu'on n'est pas d'accord, quoi. Qui sont injustes. Mais ils ne sont pas les mêmes que nous qui avons de l'empathie, parce qu'eux, ils nous considèrent comme du bétail. Et dans le troupeau, quand il y a une chèvre qui ne veut pas rentrer, on n'a rien à fiche quand t'es berger. Ah bon, on les écoute. Ils ne te considèrent pas comme du bétail, ils te testent comme du bétail. Et si les gendarmes sont le pas de la porte, ils ont un fusil derrière le volet, avec grand-mère, la petite fille et le mec qui dit non, nous on veut notre papa à la maison, moi je veux mon mari, et moi je n'irai pas tuer un mec d'en face, je ne sais pas ce qu'il a fait, cassez-vous. Eh bien, ils reviennent à 10 000, tu t'es barré, tu vas faire ça dans une autre maison avec d'autres et vous êtes 10. Et c'est après, pareil, la baraque est plus dingue que moi, voilà. Il faut partir avant qu'ils arrivent. Oui. Ou il faut partir avant qu'ils arrivent. Ou tu tiens le terrain, comme en Floride, face à tout le monde. Il faut être ce qu'on aimerait faire, là, des réseaux solidaires, intelligents. Tout ça. Voilà, c'est compliqué. Arriver à 30 devant la porte pour empêcher l'huissier et les gendarmes d'entrer, c'est compliqué, si tu veux. Ouais, bah oui. Un coup de téléphone, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'ils ont réussi en France de enlever les armes à la population, parce que quand tu regardes aux États-Unis, ils ont bien réussi de le faire en France, parce qu'avant, à l'époque, tu pouvais quand même te défendre, tu avais des armes et tout. Tu vas aux États-Unis, Ils vont chercher les fusils des chasseurs et tout ça. Toutes les collections de gendarmes ont tout perdu. Ils sont même délictueux aujourd'hui. Mais attends, là-dessus, c'est pareil. Ils se basent sur des statistiques. C'est-à-dire que moi, je ne leur jette pas la pierre, sur le fond. C'est qu'ils regardent la statistique, combien il y a de meurtres conjugaux, combien il y a de pères de famille qui tuent toute la famille, etc. Quand il y a des divorces et machin. Alors, ils regardent le nombre de domiciles par an. Aux États-Unis, quasiment toutes les fusillades, c'est des trucs. J'ai pas fini. Pour que l'opinion publique. Combien il y a de meurtres en France. Et en fait, ils regardent les statistiques. Je sais pas si tu as une idée du nombre de meurtres par an en France. Je crois qu'on est autour de 600, 650 en ce moment. Mais moi, il y a 30 ans, j'avais appris qu'on était à 3500. Tu vois, donc on est passé de 4000 morts il y a 50 ans par an en France à 650. C'est déjà pas mal. Qui plus est sur les 650. Pardon ? Ce n'est pas la disparition des armes. En plus, aujourd'hui, beaucoup de meurtres ont lieu au couteau, quoi. Oui, non, mais d'accord. Mais alors, je n'ai pas dit qu'il y avait un lien. J'ai dit que dans un certain nombre de cas, le fait de posséder une arme pouvait rendre possible des gestes impulsifs. Oui. Ça pouvait rendre possible. Ça participe. Mais un couteau de cuisine aussi, on est d'accord. Un couteau de cuisine aussi, c'est pas ça aussi. Voilà, mais il y a une volonté de la part de l'État de nous materner, de nous protéger. Et de justifier son salaire par la protection. Tu vois ? Je te vois. Alors, oui. L'État crée à la limite les gangs de façon à justifier la présence de la police qui ne va jamais s'occuper des gangs, mais qui s'occupe beaucoup des gilets jaunes. Alors, non, ce n'est pas exactement ça, mais il y a une sorte de collusion, effectivement, entre les rentiers du chaos sciemment auto-entretenus et aussi les réseaux Gladio, qui, dans des lieux particuliers, ont mis des stocks d'armes avec les 400 000 calaches et les 1,5 million d'armes de poing, qui, sur un coup d'étincelle, une mosquée en toile qui brûlerait comme ça à l'insu de mon plein gré après Notre-Dame, notre drame, eh bien, pourrait enflammer une population ciblée pour, en tant qu'idée utile, aller la faire combattre ceci ou cela, ou protéger la présidence, ou au contraire, la virer si elle fait chier. Donc ça, si tu veux, c'est encore le réseau OTAN, les réseaux Gladio, et c'est une volonté. Et comme l'État sait qu'il doit gérer la mafia Al-Seiya en France, notamment à Nice à l'époque, au moment de l'attentat, et ben en fait, si tu veux, ils sont pieds et poings liés, donc ils gèrent des conflits de pouvoir et ils essaient petit à petit de faire basculer progressivement, et c'est ce que Trump a fait, tu vois. Il a essayé progressivement, et en fait, il y a des forces qui l'ont expliqué
que il peut y aller, mais en souplesse, et qu'il faut que la déstabilisation, la vague de rééquilibrage des vases communicants, soit pas trop brutale, sinon ça pourrait noyer plus de gens qu'il va en sauver. Ça, avec les blackouts, les coupures Internet, tu sais, les coupures de câbles sous-marins, etc. Donc, tu veux, il y a des gens qui ont les capacités de faire un chaos monumental sur Terre. Et c'est pour ça que je voulais parler de cet article de Star Wars. Parce que mon fils, il est allé aux Canaries, mon deuxième fils. Et au moment où il y va, il y a le volcan des Canaries là, qui entre en éruption et qui menace de casser. Alors, je me suis intéressé à cette affaire, mais il était sur une île un peu à côté. Mais en cas de tsunami, il se prenait quand même une bonne vague de 40 mètres. Donc, je vous conseillais quand même de garder une capacité à monter sur une montagne de 800 mètres au cas où. Il allait faire du truc. Voilà. Et donc, en fait, j'avais regardé les fameux séismes. Attends, laisse-moi finir juste cet aspect, et si tu as des infos, complète. Donc, il y avait des séismes qui étaient identifiés en croisement, c'est-à-dire comme un morpion, tu sais, à angle droit avec des points. Et en fait, c'est le seul système européen d'identification du séisme qui serait soi-disant placé en angle droit, alors qu'en fait, c'était les zones de détection des points. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont fait une cartographie et qui, par-dessous, ont pété progressivement, petit à petit, plein de zones pour que le volcan ne pète pas d'un seul coup, au cas où que ça ne fasse pas d'un seul coup un giga raz-de-marée. Et quand tu fais des séismes d'une magnitude supérieure à 5 ou 6 et que tu montres après à Hollande ou à un dirigeant ou à Obama que « Regarde, je t'ai évité d'avoir une vague de 30 mètres devant New York parce que ça fait 10 ans qu'on travaille sur le volcan X ou le volcan Y, tu vois, que ce soit aux États-Unis, là, le gros volcan, là, ou que ce soit aux Canaries. Et ça, tu nous le dois, parce que sinon, le PIB de New York et de machin, et de toute la côte plus l'Afrique, le Maroc et tout, regarde combien ça t'enlève de PIB mondial, combien tu tires sur ta suprématie dollar, même sur le reste du monde. Et donc, je te présente la facture, et en gros, ferme ta gueule, et on bosse, et on fait un boulot salvateur. Donc là, il y a des oligarchies qui font ça volontairement. Et ouais, t'en as d'autres qui font une petite bombe en 2004 avec un tsunami. C'est là où, devant Fukushima, merde. Donc, si tu veux, t'as forcément des bonnes oligarchies qui font un super boulot, ou t'as aussi l'OVNI qui a pété en 2011. T'as la vidéo qui tourne sur Internet, t'as une météorite et t'as un OVNI qui arrive derrière et qui le pète en deux. Donc là, l'OVNI, on lui dira merci, si tu veux. Hein, 2014, Tcheliabinsk, au-dessus de l'Oural, c'est ça? Non, 2011, c'est Fukushima. Non, mais il y a aussi une météorite 2011. Je l'ai mise dans l'article Star Wars. Dès que le cycle lunaire tombe derrière, il va rouvrir. Enfin bon, c'est pas très grave. Effectivement, il y a une soucoupe qui arrive derrière. Il y a une seconde, elle se barre. Ça se retrouve, ça, si on cherche. Tiens, je vais aller sur YouTube, ça va faire la petite pause. Vas-y, si tu veux aborder un sujet différent, je vais taper mes théories. Le Cumbre Vieja, là, il a déjà pété à moitié ce volcan, et puis il a déjà fait une vague monstrueuse qui a balancé, il me semble, un squelette de baleine à 800 mètres d'altitude dans les collines des Appalaches, si je ne me trompe pas. Pareillement aussi dans le Pacifique. On a trouvé des fossiles, mais pas dans les couches profondes, plutôt assez apparents, quoi. Et donc, c'est la preuve, quelque part, qu'il y a déjà eu des tsunamis comme ça, qui ont vraiment bien ravagé les côtes. D'ailleurs, en plus, tu parlais tout à l'heure de la... Ça date d'une époque où la mer était 110 mètres ou 120 mètres en dessous du niveau actuel. Et d'où vient cette eau? Cette eau, à mon avis, vient des profondeurs et elle est due à l'enfoncement d'une plaque tectonique qui a fait rejaillir une grande quantité d'eau souterraine. À mon avis, parce que c'est comme ça qu'on l'explique. Moi, tu sais ce que je pense au niveau de l'eau, Pam? Moi, je penserais différemment. L'eau, elle ne viendrait pas de ce que toi, de l'intérieur. Moi, je pense qu'il y a eu, à cette époque, avec Nibiru, il y a eu une planète qui est rentrée en collision. Et cette planète qui est rentrée en collision, c'est elle qui a déferlé toute l'eau qu'on retrouve actuellement sur Terre. Attends, là tu parles de collision. Là, ce qui est un peu délicat, ce que l'on sait, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, sur la question justement du Kouyona Circus et de la longévité, un des dangers pour l'oligarchie, c'est qu'on soit trop nombreux pour eux, trop longtemps, à vivre trop longtemps, plus de 100 ans, 400 ans, etc., même s'ils prétendent qu'ils vont nous bricoler, mais contre la soumission, les implants, la technologie, et donc la stérilisation organisée. Ce qui peut-être a du sens si jamais on vit 1000 ans. Mais pour vivre 1000 ans et avoir l'ADN pas cassé, entre autres par les rayonnements solaires,
et peut-être un peu cosmique, mais surtout solaire, eh bien, il faut avoir une couche qui te protège dans l'atmosphère. Donc, comme on sait que dans l'histoire de la Bible, ou qu'on croit ou qu'on pense que Noé a vécu des centaines d'années et que depuis Noé, à chaque fois, tu perds 50 ans à chaque génération ou 30, si tu veux, en fait, il se peut que toute cette eau qui était en haut et qui a fait le déluge, en réalité, elle était peut-être toujours, en tout cas depuis longtemps, en haut, et qu'en fait, elle servait de filtration, ce qui faisait que parmi les 5 facteurs principaux de vieillissement, d'ailleurs, auxquels l'injection voudrait répondre, si jamais on vit trop longtemps, eh bien, il n'y avait pas ce facteur casser l'ADN et avoir des erreurs à la photocopie, à la reproduction cellulaire. Voilà. Donc ça, c'est une certitude, c'est que s'il y a une conjonction entre perte du fait de vivre plusieurs centaines d'années jusqu'à maintenant et le déluge, qui d'ailleurs se voit sur le bas du Sphinx, etc., sur des zones où on voit qu'il y a de l'eau qui est tombée en grosse quantité, et ben en fait, il est tout à fait possible, vous les 67 mètres de Méditerranée, voilà, qui était une mer fermée à la base, c'était une mer fermée, hein. Et donc, il est tout à fait possible que cette eau ces 60 mètres, 67 mètres étaient au-dessus, servent de filtration, parce que Bill Gates, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut mettre des particules, et en fait, il y en a déjà. Et donc, ça veut dire qu'il a parfaitement compris que si on veut vivre longtemps, tout milliardaire que l'on soit, il faut avoir au-dessus de la tête en permanence un gros parapluie en plomb. Tu vois, pas trop gros, mais juste ce qu'il faut. Il faut que ça laisse passer le cosmique. Il n'est pas du tout... Il décrépit de plus en plus, Bill Gates. Non, mais attends, je n'ai pas dit qu'il a réussi. Je n'ai pas dit qu'il a réussi à se prolonger, lui. Attends, mais les oligarchies, comme tu le sais, elles cherchent tous les moyens de se prolonger. Le sang, l'adrénochrome, les anticorps monoclonaux, les opérations à Rockefeller, 6 fois du cœur avec du cœur de Palestinien, gardé au chaud dans la cellule, etc., parce qu'il a jeté une pierre sur un tank. Il y a toutes les techniques pour rajeunir, il y en a plein, il y a des hormones spéciales, il y a des comprimés, la X10, il y a plein de trucs spécifiques qui peuvent prolonger momentanément ou avoir un effet d'aubaine pendant un certain temps et après avoir un effet de panique si jamais tu n'as plus la béquille. Mais les 5 facteurs sont indécrottables. Les 5 facteurs connus de longévité, j'en ai parlé dans une vidéo, sont indécrottables. Et parmi ces facteurs-là, tu as la cassure de ton ADN parce qu'on n'a pas 2 hélices d'ADN. On a une hélice double, mais on n'a pas, comme les pieuvres, tu sais, on n'a pas la sauvegarde de la photocopie. Donc, quand on fait une photocopie, si on repart du truc qu'on a fait, on fait des photocopies cumulatives au lieu de garder l'exemplaire de base, tu vois, comme les pieuvres qui vivent 5000 ans. Donc, c'est pour ça qu'on vit on pas... On perd un telomère. Pardon ? L'ADN perd un bout de télomère. Les chromosomes perdent un bout de télomère ou l'ADN perd un bout de télomère. C'est un autre facteur. Donc, c'est un autre facteur. La copie n'est pas... Ouais. Oui, non, il n'y a pas que ça. C'est la télomérase, c'est parce qu'on ne produit pas assez d'enzymes. Donc, tu as un raccourcissement et après, il manque. Mais ça, c'est un manque quantitatif. Ce n'est pas un manque qualitatif. Il y a l'information aussi. Il y aura aussi l'information qui va manquer. Oui, bien sûr. Mais moi, je te dis que dans les 5 facteurs, tu as d'abord le rayonnement solaire qui te crame et qui te pète ton ADN parce que tu n'es pas un géant et ton ADN, tu ne peux pas le sécuriser à travers 30 cm de bras. Ton rayon X et ton gamma, il a traversé tout le bras, il t'a traversé, il est encore dans ta jambe et il t'a déjà pété tout l'ADN dans ton bras. Tu vois ce que je veux dire quand tu es au soleil. Et c'est à ça aussi qu'on voit les facteurs de vieillissement connus qui sont le premier, le port de charges lourdes sur le dos. Donc ça, c'est le premier facteur de vieillissement connu au monde parce que ça tasse les vertèbres, ça expulse le liquide intervertébral, ça sort les colloïdes. Le deuxième, évidemment, c'est la position assise parce que ça réduit de 20% par rapport au donc, le manque de mouvement, l'oxydation prématurée, etc. Et tu as le solaire, tu as la télomère et télomérase, tu vois le problème télomère avec l'enzyme, la production. Tu as certains facteurs en fait, qui sont fondamentaux. Et les mecs comme Bill Gates, si tu veux, c'est des oligarques. Un oligarque, c'est quoi? C'est un gérontocrate. C'est moi, je suis vieux, j'ai réussi ma vie. Je gouverne les autres du haut de mon savoir de mes 75 ans. Donc, pour gouverner le monde... Pire. Attends, pour gouverner le monde, si tu considères qu'il faut à peu près avoir un cerveau qui fonctionne bien, mais avoir beaucoup d'expérience, si jamais tu avais 150 ans, tu aurais beaucoup plus d'expérience, même pas le double de 75 ans. C'est exponentiel, la connaissance. Donc, ça veut dire que si tu augmentes à 200 ans la durée de nos gérontocraties... Pour laquelle il limite notre espérance de vie, c'est parce que si je vis encore 30 ans en forme, avec tout ce que je sais aujourd'hui, mais je suis vieux maintenant. C'est pour ça que le but, il est double. Le but, il est de rallonger l'oligarchie gérontocrate, méritocrate, soi-disant, et de faire stagner, en faisant croire qu'on lui fait des aides, etc., la populace, le vulgus pecum, qui ne s'intéresse pas à tous ces sujets-là, ne produit pas une grande richesse d'après leurs critères de richesse, pas la richesse
professionnels. Ils ont tout fait pour. Ils ont intoxiqué les gens, ils leur ont donné n'importe quoi à voir. Tu vois, ils ont tout fait pour qu'on soit nul. Après, ils se moquent des gens en disant bouche inutile, ils sont nuls, mais ils ont tout fait pour que les gens soient nuls. Ils arrivent pas à recevoir un truc. Parce que, par exemple, tu vois Maria Carré, la chanteuse, qui a un grand talent. Après, on peut penser ce qu'on veut d'elle, mais peu importe. Mais au niveau. Avant, elle était caissière. En tant que chanteuse, elle a amené quelque chose au monde de l'art et de la chanson, on peut le dire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu vois, elle a une voix incroyable. Mais tu as des gens qui sont souriants, qui sont simplement caissiers, avec un petit SMIC ou trois quarts d'un SMIC, et qui te sourient, qui sont polis, qui sont corrects, qui font leur boulot. Certes, pas un boulot de génie, mais qui te sourient. Et toi, ça embellit ta journée de croiser quelqu'un qui n'est pas stressé, qui fait un boulot certes basique, mais qui t'a souri, qui t'a regardé, qui est convivial, parce que ça fait partie de son travail et qui n'est pas à chercher à te vendre un truc en plus. Parce que tu as déjà fait les courses, tu arrives avec le caddie, elle ne peut rien te vendre de plus là où elle est à la caisse, tu vois. Donc en fait, c'est un rapport qui est vrai, qui est sain, qui est propre, qui est précis, net, carré, et qui n'est ni intéressé, ni faux. Et ça, un seul sourire, ça peut modifier ton épigénétique, ton ADN, tu arrives, tu es un peu ronchon, tu es un peu pas bien, tu as quelqu'un qui te sourit, bah, ça illumine ta journée. Et ça, ils ne savent pas prendre en compte le bénéfice épigénétique, comportemental. Tu rentres chez toi, tu tapes moins sur tes gamins, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, et donc moins de psy, moins de ceci, moins de cela. Ils ne savent pas quantifier le bonheur, on va dire, smiling transmissible. Tu vois, ils ne peuvent pas quantifier. Et ils veulent être propriétaires du bonheur. Non, après les courses, hein, ça. Mais si tout le monde était. Il n'y a pas que ça. Voilà, le yoga, ce que tu veux, le yoga, le thérapeute, le machin, le masseur. Voilà. Que la caissière qui sourit, mais tout le monde. Mais ils veulent pouvoir quantifier, mesurer, savoir, connaître, maîtriser, taxer, se gaver, puis limiter, contrôler et te faire dépendre de combien ils t'autorisent à être heureux dans ce que tu peux échanger avec. Là, oui, peut-être aussi. Je veux pas tout contredire. C'est pas, tu sais, moi, quand je contredis, c'est pas contredire complètement. Hein, non, ça veut dire. Il y a aucun problème avec la contradiction. Hein, moi, c'est l'un et l'autre et une troisième même solution si ça se trouve. Oui. Temps, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément une chose ou son contraire. Tu peux avoir une chose vraie, le contraire qui est vrai, ni l'une ni l'autre. Oh ouais, pas forcément au contraire. Les couleurs, il y a des nuances, quoi. C'est tout est bleu, mais clair, foncé, violacé. Tu vois, de la nuance. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on devient complètement binaire. C'est hallucinant. T'es avec moi ou contre moi. Oui, mais alors c'est là où il faut extrapoler, parce que quand le variant véreux, Varan, il nous dit tous injectés, tous protégés. Il m'en parle. C'est un agent. Il est dangereux. Il a vacciné. Il sait que les oligarchies ont prévu une grosse claque par BlackRock, par l'IA, par les marchés, la bourse, les taux d'endettement, les taux d'emprunt, l'économie et donc les morts qui en découlent. Si jamais il n'y a pas la réforme des retraites, il n'y a pas le quota de morts, il n'y a pas le quota de dégagines, en fait, il sait qu'il y a une épée de Damoclès et qu'elle est à la fois sur sa tête à lui, mais aussi sur nous. Et donc, si jamais il y a le mix écologique achevable en termes de résultats, et non pas forcément de moyens, mais de résultats, il sait que si on ne ramène pas les espèces vivantes, tu vois, au seuil qui leur permettent de se reproduire et de survivre à notre passage, de notre civilisation moderne, ils savent que s'il n'y a pas tout ça, eux, ils vont se faire dégommer parce qu'ils n'auront pas réussi. Et donc, ils disent tous protégés, tous injectés, tous protégés, mais ils ne disent pas de quoi. Oui, et si ça tu aussi, savais mais. De, quoi, de la bombe, de la crise économique, de la réforme des retraites violentes, de l'injection qui fait qu'une fois que tu l'as, on peut te désactiver à distance, comme dans les films de science-fiction, où tu as un temps de vie, tu achètes ta recharge. Et qu'est-ce que tu crois? Tout a toujours fonctionné comme ça. Simplement, il y a maintenant Aladdin, BlackRock, les ordi quantiques, qui sont souvent sur une logique tétravalente avec ces quatre possibilités. Vrai, faux, ni vrai ni faux, et vrai et faux en même temps, etc. Tu vois, et ben tu as les ordi quantiques qui gèrent tout ça et qui sont en train de gérer ce que d'autres forces avant géraient et faisaient qu'il y avait des hommes miracles. Il y a toujours eu des hommes miracles sur la planète. Et une partie de ces miracles étaient spirituels et d'autres avec des technologies spirituelles et d'autres étaient avec des miracles technologiques. Et d'autres étaient même en interaction avec les deux, peu importe. Donc en fait, comme tu as toujours eu ça, ça veut dire qu'il y a toujours eu des forces qui ont géré ces choses-là et qui ont géré les espèces, les populaces. Oui, je pense que cela avait accès aux intelligences artificielles depuis longtemps aussi.
et qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre là est un plan calculé, et où ils se doutent qu'au bout d'un moment, d'autant plus avec Internet, puisqu'ils rajoutent les données, ils les ajustent au fur et à mesure, quand ils ont vu qu'effectivement se développaient des gens comme nous qui cherchons la vérité, qui ne sont plus d'accord, qui disent « mais attendez, c'est faux, c'est des mensonges, ils mentent clairement, regardez les résultats, effets secondaires, ils les ignorent, c'est pas possible quand tu es un professionnel responsable et… Attends. Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai mensonge. Un vrai mensonge. Je vais te prendre une facture. Tu vas comprendre. Je vais prendre une facture. Oui, mais bon, non, tu vas comprendre. Dans le plan actuel, tout le monde parle de microbiologie et tout le monde ignore en même temps les effets des ondes. Si tu vois que le phénomène qui s'est passé avec la grippe espagnole, qui correspondait à de mauvais traitements, à des gens qui étaient vaccinés, les premiers traitements qui ont été dévastateurs. Ouais, attention au mot. Ok. Ils ont été dévastateurs parce que les gars mettaient, par exemple, 6 grammes d'aspirine au lieu de la dose normale. Et à 6 grammes d'aspirine, tout le monde meurt. C'est comme aujourd'hui, quand ils ont traité avec l'HCQ, ils en ont mis 3 fois trop. Après, ils ont dit, vous voyez, c'est dangereux. Foutage de gueule complet. Tout à l'heure, je parlais du message, de l'information. Parce que tu as toujours le triumvirat, information, énergie et matière. Alors là, je vais faire un exemple. Regarde, j'ai reçu un truc qui est faux. C'est une facture d'eau. Je consomme même pas 1 mètre cube par an dans la maison qui a été détruite, là, parce qu'il n'y a pas l'eau chaude et c'est juste la vaisselle et à la main. Donc, c'est même pas 1 mètre cube par an. Et je t'ai dit tout à l'heure qu'ils mettent de plus en plus du 33 pour les francs MAC, du 13, du 22 pour l'urgence, 22 là les flics, du 39 pour Dieu, du 66-66, du 555 quand il faut parler du gardien 55 Faubourg Saint-Honoré, la présidence. Donc, Satan, c'est la guématrie de Satan. Dieu, 39, c'est Dieu. Et du 74 parce que c'est Jésus. Regarde ce que j'ai reçu comme facture. Tu vas comprendre que même un message, ils me mettent votre consommation 22 mètres cubes. Alors regarde, je vais l'éclairer un peu. Oh, on la voit bien. Regarde bien. Je n'essaie de pas bouger. C'est un peu flou. Il faut que tu me la lises, s'il te plaît. Ouais. Alors, 22 mètres cubes. Plus près. Voilà, 22 mètres cubes. Tu vois, 22, c'est donc l'urgence. En dessous, il y a du 39. 39,23. 39, c'est la guématrie de Dieu. Et en dessous, tu vois quoi ? Tu vois Jésus, 74, c'est la guématrie de Jésus, 74,74. Donc même quand un truc est faux, parce que je n'ai pas fait 22 mètres cubes, ils ne sont même pas venus faire le relevé. Ce n'est même pas une estimation des années précédentes, c'est du n'importe quoi. Mais le message, moi je suis né en 74, je suis organiste à Saint-Blaise, à l'église Saint-Blaise de Valbonne. J'ai été marqué par le Christ, parce que j'ai eu les stigmates pendant 20 ans. Mais je n'ai pas eu les stigmates comme le Christ qui saigne, ou le Padre Pio, bien que j'ai un lien très fort avec le Padre Pio, on va dire méta, de façon méta-humaine, c'est que en fait, je joue d'un instrument qui m'a fait des stigmates dans les mains. Je joue du marimba à 4 baguettes et une des baguettes se tient dans le creux de la main. Et donc, j'ai eu les stigmates pendant 25 ans. Et après, j'ai inventé, je te montre. Oui. J'ai inventé un manchon. Attends, laisse-moi finir l'idée. J'ai inventé un truc, si tu veux, pour avoir un manchon ergonomique qui fait que j'arrive à saisir la baguette et à glisser l'autre sans que ça m'arrache la main, tu vois. Donc, c'est juste pour te dire que j'ai eu tellement de signes que moi, quand je vois ça, oui, je rechigne à payer parce que ce n'est pas le vrai chiffre, etc. Mais moi, je lis le message 22 urgence, 39 Dieu, Jésus, 74. Et c'est mon année de naissance. D'accord ? Et en plus, je suis né un mois 11. 11, c'est solaire, je t'ai expliqué tout à l'heure. Quel serait le message ? Pardon ? Quel serait le message alors ? Que cette facture n'a aucune importance. Non, je rigole, je ne l'ai pas déchiré, mais je ne l'ai pas. Ils me les prennent en SATD. Mais que cette facture, la matière n'a pas d'importance. C'est le message qui compte au-dessus de ce qui se passe. C'est l'information, la programmation. Oui, on le savait, mais non, le gars… Non, quand tu le dis sur tes factures, tous les jours. Écoute, ils me mettent sous tutelle. Je sors de tutelle, mon premier code de carte bleue, c'est 7707. Oh, putain. C'est intéressant. Voilà, je suis. Non, mais toi, avec les chiffres, des trucs, c'est hallucinant. Écoute, j'ai trois enfants qui s'appellent Michael pour l'un, Nicolas Gabriel pour le deuxième et Angelica pour la troisième. C'est des noms d'anges, hein. Michael, Gabriel, Nicolas Gabriel et Angelica. Je suis convoqué à la doyenne des juges le 29 septembre pour une audition dans ma plainte et c'est à la fête des anges. Et c'était aussi le 29 septembre 2008, le 777. Donc, tout est coordonné en guématrie.
Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Des fois, même, j'ai fait un StreamYard avec un mec avant. Au moment où je lui parle du 777, il me montre qu'il y a un truc qui avait 777 vues. Exactement au moment où on en parle. On n'a même pas fait exprès. Et des trucs comme ça, il y en a des sans arrêt. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il y en a sans arrêt. C'est qu'il n'y a rien qui n'est pas ça. C'est-à-dire que mes autres codes de carte bleue, je ne t'en parle pas. Mais c'est exactement sur les chiffres dont je viens de parler. Je ne vais pas donner les détails, sinon des problèmes. Oh, mais quoi, tu ne peux pas nous donner ton numéro de carte bleue, moi? Ah, bah oui. Oh, Je suis en train de te dire que des choses qui sont générées de façon aléatoire, moi, dans mon cas, en fait, répondent à des choses absolument incroyables du point de vue programmatif, y compris des films. J'admets, c'est très surprenant. Je vois qu'il y a un film, je vais donner un exemple. Il y a un film qui s'appelle Axel. Je dirais pas en haut lieu, mais dans les densités parallèles, là, voire depuis le bas astral, on s'occupe de toi. Mais pas qu'uniquement des mal intentionnés, a priori, puisque tu es encore là parmi nous, tu as le droit de parler. Et bravo pour le courage de survivre à toutes tes attaques et à ta maison qui a cramé tard et tout ça. Bravo. Ouais, bravo. C'est clair que c'est courageux. Hein. C'est raide, ça. Hein. C'est très raide. Mais enfin, ils sont très méchants. Hein. Tu as vu, il y en a plein qui sont morts directement. Hein. Oui, c'est pas grave. S'ils ont tué quelques-uns au passage, le but, en général, n'est pas de tuer. Ce n'est pas de bérégovoiser les gens. Oui, les bérégovois qui disent « j'ai la liste des fraudeurs, des machins, des comptes en Suisse ou quoi », deux jours après, il est suicidé. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de tester les gens, de voir si, dans l'épreuve, ils répondent et ils font appel justement à des forces qui vont les protéger, en se remettant complètement au Christ, au Créateur. Il ne faut pas faire. Ah non, c'est toi qui te protèges, parce que tu es en liaison directe avec la source. Oui, quand tu fais appel à des entités extérieures, très souvent, c'est des fausses. C'est des entités, c'est des fausses entités, ouais. Non, qui te soutiennent plus ou moins, mais surtout après, tu leur as demandé de l'aide. Tu vois, comme c'est toi qui leur as demandé, c'est toi le libre arbitre, là. Si tu demandes de l'aide, c'est que tu ne crois plus en la tienne et en ta source divine. Pas du tout, ça veut dire que tu conjugues les deux. Ça veut dire que tu conjugues les deux, parce que tu sais faire appel aux forces d'en haut aussi. Tu peux, je jonglais. Tu vois, quand je t'ai parlé du 74 en Gématrix, c'est sur ma facture et ma date de naissance. À 7 et 4, 11. Soit 7 et 4, ça fait 11, évidemment, si tu l'as remarqué. Ouais. Bravo. Et c'est aussi, c'est que, si tu veux, le nom de Dieu en hébreu, le fameux tétragramme YHWH. Mais ça c'est à nous, Yoed Vahé. Laisse-moi finir. C'est pas Dieu à nous. Je pourrais développer si tu me coupes mieux. Ça fait 26. Et tu as vu qu'on a un rite chez les chrétiens qui est basé sur le fait de boire le corps et aussi le sang, le chiffre 100 de Christ. Et tu vois bien que 26 plus 74, donc Jésus en gématrie fait 74, 26 c'est le nom de, paraît-il, son père. Et donc 26 plus 74, c'est la totalité. Et 100 c'est quoi? C'est 10, nos mains, fois nos pieds, 10 fois 10. Oui, c'est bon. Le multiple. Eh oui, c'est un chiffre, on est en base 10 sur les comptes. Et mes doigts, moi, je suis beaucoup plus, hein. J'espère. Hein, j'ai un cerveau qui, lui, n'est pas compté là-dedans, et puis j'ai ma bite qui, elle, compte double. Je ne sais pas si tu vas souvent pour compter avec ou tu comptes dessus. C'est de l'humour un peu tendu, Non, mais je m'excuse. Non, mais je ne suis pas que mes extrémités. Non, c'est vrai qu'on est dans un truc à Pinta, hein, l'étoile, Pinta, et c'est la forme humanoïde. La tête, les quatre membres, le corps, c'est vrai que c'est très intéressant que la vie se développe essentiellement sous cette forme-là, dans notre sphère, si on peut dire, mais en fait, tous les humanoïdes ont cette forme-là, et puis les mammifères en général aussi, quelque part. Hein. Tous les mammifères, pas que l'homme. Enfin, beaucoup de mammifères. Parce que peut-être le pangolin est à moitié mammifère, à moitié aquatique, là, tu sais, il y en a deux, trois, l'ornithorynque, l'échidné, et puis je ne sais plus lequel. Mais bon, c'est vrai que c'est très intéressant, mais pour moi, à ce moment-là, là, c'est autre chose. On passe par cette conjugaison du nombre phi qui correspond à un chiffre merveilleux, là, qui est une unité de l'électricité qui se développe dans le cosmos. La force de tout, c'est l'électricité quelque part.
C'est une électricité. Qu'est-ce que c'est qu'une électricité ? C'est une différence de potentiel. C'est une situation dans une nuance, en fait. Et c'est ça. Je suis partisan de suivre pour l'astrophysique les théories de l'univers électrique, qui est électromagnétique ou plasmatique. Enfin, c'est toutes les les nuances et les stades de développement et de cristallisation d'une énergie qui, à la base, a priori pour nous, est électrique, ce qui est toujours inexpliqué, hein, de toute façon, hein, pour les scientifiques. Hein. On sait s'en servir, mais on ne sait pas l'expliquer. C'est comme la gravité, quoi, et comme plein d'autres choses. On sait quand même s'en servir un peu, et pas beaucoup, et puis en plus, l'Académie fait en sorte qu'on s'en serve le moins possible, tout ça, et voire nie complètement l'univers électrique, et cherche encore la matière noire et l'énergie noire, alors qu'avec les théories de l'univers électrique, on n'en a pas besoin. Ces deux éléments viennent de l'intervention d'Einstein, qui a foutu en l'air Tesla, qui a foutu en l'air tout ce qui existait auparavant, et en 1905, il y a eu une arrivée et une invasion mentale, on va dire, intellectuelle plutôt, de plein de gens, Freud, Einstein, les saligots sexuels là aussi, plein d'autres, qui ont complètement balayé toute une science qui commençait à devenir très efficace dans l'électromagnétisme, entre autres. Walter Russell, ça va te plaire énormément, je pense que tu connais la physique de Walter Russell. Il a croisé Dieu à un moment, et quand il est revenu, il a montré le développement entre le cube, la sphère, à une fréquence hallucinante de toute chose. C'est génial. Il a une autre table de Mendeleïev qui est spirale, comme ça. Il a d'autres notions qui sont magnifiques en plus, enfin, qui marchent très bien. Ouais, mais fait, c'était pas dans leur intérêt. Hein. Pas de retrouver aujourd'hui. Éléments. Mais oui, c'est ça, ils veulent nous garder à un niveau où on est manipulable et on ne peut tout pas évoluer et on a plus de mal à réaliser tout ce qu'on notre potentiel. Pas de question que l'humain se libère de la tutelle de ceux-là qui ont estimé qu'on était dangereux pour eux, puisque c'est ce qu'on remarque que dans les hypnoses et ailleurs. Quand on est confronté à une entité, si on veut la brûler, on la brûle. À partir du moment où on se méfie. Si elle nous mente, c'est pour qu'on donne notre accord à être soumis à elle. Si on refuse, si on récupère cette souveraineté-là, donc divine, liaison directe, nous, la source, eux, là, toute leur fadaise religieuse, toute leur fadaise de plein de trucs, disparaissent. Et ils ne peuvent pas, ils se sont interposés, ce sont des usurpateurs de notre spiritualité et ils se nourrissent du louche, parce qu'effectivement chaque fois qu'on galère, on râle ou on est en colère, ou on monte, on se bagarre ou on déprime, et tous ces débordements d'émotions non contrôlées sont des débordements de louche du cerveau ou du cœur, partent des émissions énergétiques. Et toute émission énergétique est énergie, hein, toute fréquence est énergie. Et donc ils se nourrissent de ça, donc il est hors de question qu'on sorte de cette mainmise qu'ils ont mise sur nous depuis quelques milliers d'années, et ils ont essayé à trois reprises, là en l'occurrence au moins trois reprises, donc côté judéo, côté chrétien, côté musulman par la suite, et les trois d'ailleurs ont la même structure quelque part à chaque fois. Mais tu pars du principe que tout ça n'est que du parasitisme, mais en fait le mot parasite, si tu écoutes bien, c'est para, la protection, mais aussi c'est tout contre. Et site, c'est la protection du site. Donc, oh non, alors, je ne prends pas parasite, je dis vampire. Oui, mais là, c'est pareil, parce que soit un marchand en marche charmant, un charmant marchand en marche, il te vend. Non. C'est la descendance, c'est la descendance de la femme d'Adam, là, comment ça, Lilith. Oui. Qui était mère de tous les vampires. Lilith, oui. Voilà, c'est pareil. Parce Lilith, que si c'est Lilith, elle va stocker dans la pierre pour sa connaissance. Parce que Lilith, c'est Isis, voilà. Isis, Osiris ou Ninarch, Enki. Cette trilogie. Attends, là, on s'éloigne du sujet. On s'éloigne du sujet quand même. Le sujet, c'était le circus. C'est les bases de notre façon de réfléchir d'après les bouquins. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui? Regarde sur la question du consentement. Tu vois que s'il y avait un marché aux esclaves à toute époque, soit on a un marché aux esclaves avec des mecs qui viennent voir le grand prêtre ou le mec ou le David qui a eu le Goliath avec sa pierre là, en lui disant bon bah soit mon chef à la fois spirituel, religieux et financier et militaire,
Et donc, je te fais confiance parce que tu as l'air un petit peu doué quand même. Tu as l'air un petit peu guidé par une force supérieure qui t'a aidé en détresse. Donc, on va dire, moi, je n'ai pas eu ça. Donc, je te fais confiance. Donc, le peuple vient vers des sortes d'élites, l'élite ou l'élite, peu importe comment tu le veux, selon ce qu'elle a pu conserver comme connaissance et cumuler du savoir pour justement que ce genre d'événement survienne. Donc, abattre le géant avec l'API R, L'API R, évidemment, l'air de la joie. Pour abattre les géants, et ou certains anges. Non, il n'y a pas d'anglais, au mieux. Non, pas d'anglais, au mieux. Mais non, Pierre. Voilà, mais est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est réel, David? On peut se poser la question. Après, dans le marché des esclaves. Mais moi, ce bouquin est issu d'un tissu de machination bien calculée avec l'aide d'une intelligence artificielle de la part de gens qui ont un QI super haut. Les Anunnaki, c'était des pointures mentales par rapport à nous, intellectuels, et aussi psychiques et mentales. Quand tu en croises un ou quand tu croises un des descendants proches, le mec, il te visite comme ça d'un clin d'œil. Hein, tchou. Et puis, il peut laisser des traces, il peut laisser des implants d'un clin d'œil. Hein. Ah non, ça m'est arrivé une fois, j'ai mis presque 30 ans à m'en réveiller. Et ce n'est pas pour rien que j'ai pris ces 30 ans-là, parce que pendant ces 30 ans-là, j'ai pu maturer sur plein de sujets différents qui ont évité, un, que je me rends compte trop de ce qui venait de m'arriver, que je reste coincé ou que je l'adule ou un truc comme ça. Et il m'a permis aujourd'hui d'avoir ma position et mon discours. D'accord, mais là, tu parles de choses que la plupart des gens ne voient pas ou ne perçoivent pas. Par contre, si on parle du vampirisme, du monarque du moment, donc là, en ce moment, par exemple, c'est l'équipe dirigeante dans ce pays. Tu vois, dans le marché aux esclaves, ben, ils ont fait leur marché, là. Ils ont dit, allez, qui veut être esclave? Venez sur la zone où, normalement, quand tu es franc-maçon, parce que moi, j'étais franc-maçon aussi 2 ans, j'ai été dans plusieurs mouvements spirituels religieux, tu arrives avec l'épaule pour montrer, si tu veux, que tu n'as pas la marque de l'esclave. Donc, ils ont fait exprès de le faire épaule gauche, mais aussi parce que historiquement, tu veux, tu n'allais pas mettre une marque au fer rouge sur ton bétail. Si tout le monde est droitier, il y a 9 mecs sur 10 qui sont droitiers, donc il ne fallait pas risquer d'abîmer un muscle ou quoi. Donc au cas où, il vaut mieux que ce soit le gauche que le droit, si jamais il y avait un petit truc. Mais par habitude aussi, non, parce que c'est là aussi le symbole de la sagesse. Le bras gauche, la main gauche dans les arts martiaux, elle est sur la main droite qui est le symbole de la force. Tout le monde est droitier, tout le monde donne un coup de poing. Non, pas tout le monde. 9 oui, personnes sur 10. Et dans le monde de la mer, ça suffit 9 personnes sur 10 du pouce de la main droite. Donc voilà, c'est une moyenne. Et puis, c'est d'ailleurs, aussi beaucoup dû à une éducation, parce que si tu es obligé d'être ambidextre à un moment donné. Le symbole, le droit s'exerce aussi par la force. Tu ne peux pas imposer le droit si tu n'as pas la force de faire venir dans un tribunal et de mettre les gens en taule. Donc tu exerces le droit et la droiture par la main droite et la force. C'est toujours lié la force et le droit, par principe. Un angle droit. Ce n'est pas levier, ce n'est pas la force. L'homme, il n'est pas plus fort que la femme. L'homme, il a l'angle droit en bas. Hein. Voilà, donc, si tu veux… Dans la nature, l'angle droit est malsain. Il n'est jamais… Il pénètre. Si, il y a 90, c'est malsain. C'est une onde de forme qui est malsaine. Les Égyptiens ne faisaient pas d'angle à 90. Ils cassaient cet angle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand tu as une planète qui est un peu ronde, mais en fait, à notre échelle, c'est plat, et elle reçoit des rayonnements qui tapent. Ben, le rayonnement, il pénètre, c'est tout. Il pénètre, il est dur. Alors, des fois, il est oxydant au niveau solaire, et puis à d'autres moments, il est radiant, il est ionisant négativement. Ça dure une fraction de seconde, la Terre tourne. Ça dure une fraction des heures, de cagnard. Le soleil, il tue beaucoup aussi par le chaud. Hein. Il y a le froid tue plus, je sais que le froid tue plus. Mais ce n'est pas le rapport, là. Pour l'instant, du côté mauvais, c'est pas ni bon ni mauvais, c'est un principe dans un phénomène dynamique. Tu as une sorte de courbe, et à un moment, la courbe, tu vois, s'arrondit. Et s'il y a des rayonnements qui sont reçus, bah, quand la courbe elle est en train de monter, les rayonnements ne sont pas violents. Et quand c'est à plat, et bah, oui, c'est violent. Et puis après, c'est descendant, c'est dans le même axe. Donc, ça dure une fraction de seconde. Mais non, le cagnard, c'est 4 heures par jour en été, le cagnard. Qu'est-ce que la Terre tourne constamment l'angle. Mais donc, le soleil n'est pas méchant à midi pour être gentil le matin. C'est pas normal. Il est trop fort ou pas assez fort, mais il n'est jamais méchant, c'est toujours le même, du matin au soir, même la nuit en fait, mais on ne le voit pas. Parce qu'on non, il n'est pas trop fort, c'est l'inclinaison de la Terre. Il n'est jamais trop fort ou pas assez fort, il est même moins fort en été qu'en hiver. Parce qu'en été, en réalité, en fait, on est plus loin, nous. C'est juste notre angle qui est modifié. En été, on est plus loin qu'en hiver, on est plus proche en hiver, figure-toi. Donc non, il faut connaître un peu tout ça. C'est notre disposition vis-à-vis de la lumière. Qui génère la violence supposée de ce qui, effectivement, qui tape à plat. Ça n'a rien à voir. En fait, en plus, vu la taille du soleil, où qu'on soit sur la planète, on reçoit les rayons avec la même incidence.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut clôturer le live et on reprendra encore une prochaine fois si vous le souhaitez? Bien sûr, parce que le sujet peut être éventuellement creusé. Par contre, là, tu viens de parler de quelque chose qui est en liaison avec les platistes ou quoi? Tu parles de l'incidence? Non. D'accord, parce que en fait, non. L'incidence, c'est l'incidence d'angle. Donc, non, si elle est ronde, forcément, c'est le contraire. Je ne suis pas platiste, elle est sphérique, elle n'est pas ronde, parce qu'une assiette, c'est plat et c'est rond. Ouais. Oui. Donc, tu es sur la version assiette, toi? Non, je suis sphérique. Ah, patatoïde. Oui, mais à ce moment-là, donc l'incidence, elle change. Tu viens de dire que l'angle d'incidence est le même, mais non. Il est tout le temps changeant, en hiver, été, rotation, etc. Paramètre du Milankovitch est toujours changeant. Bon, c'est pas grave. Tu as dit quelque chose que peut-être tu t'es mal exprimé ou tu voulais dire le contraire, je sais pas. Peu importe. C'est pas le sujet principal, c'est pas grave. Voilà, c'était pas le sujet Couillonna Circus de toute façon. Bon, en tout cas, le marché de l'esclave. Bon, une dernière pour le Couillonna Circus. On oublie tous les ondes, la 5G, la 4G, le Wi-Fi, tout ça. Et ça. Non, j'en ai parlé au début. Tu étais là au début? Oui, on a parlé au début. Ça provoque une radiation des cellules qui réagissent plus ou moins fort, plus ou moins bien, et que les scientifiques d'aujourd'hui médicaux traduisent par virus. Ouais. Bon, on peut clôturer François et Pam. Oui, si vous voulez. C'est un plaisir, en tout cas. François, on pourra remettre pour un prochain rendez-vous. Oui. Alors, soit on complète le sujet puis on fait une table ronde avec différentes personnes, ou bien, parce que je voulais parler aussi de la fabrique du consentement, du QI, j'avais encore que, on va dire, de quoi faire, peut-être une heure, tu vois. Ah, ok, bah si tu veux, on reprogrammera une heure et puis on refera ce que on doit terminer, c'est-à-dire ce que tu dois terminer, il n'y a pas aucun souci. Ok, super. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté. Et puis, Pam, merci d'être intervenu. Ben, c'est un plaisir. Merci à vous. Attends. Il y a un petit décalage de son. Ça nous a un petit peu gênés. On s'est un peu marché. Tout à fait. Excusez-nous. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. François, je te remercie. Pam, je te remercie. Merci au public, je vous dis à très bientôt, à une prochaine, et puis partagez le live.